Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette 7e rencontre de rencontre annuelle, pardon, du Forum des partenaires. On est super contents là, de vous accueillir via Zoom ce matin. Vous êtes d'ailleurs au total 103 participants, incluant les membres du Forum. Donc, on est vraiment bien fiers de votre participation. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jonathan Lapierre, président du Forum des partenaires et maire de la municipalité des Îles. Bonjour à vous tous et toutes. Bon matin. Comme Marie-Christine le disait d'entrée de jeu, on est bien, bien heureux de cette forte participation ce matin. Donc, plus de 100 personnes qui se réunissent de façon virtuelle pour assister à cette journée importante qui a pris une place dans l'agenda de beaucoup de gens dans la communauté des îles de la Madeleine depuis 2013. Donc, comme vous le savez, particulièrement pour ceux et celles qui nous écoutent, depuis 2013, la communauté maritime des îles, appuyée par l'ensemble des partenaires socio-économiques du territoire, ont adopté notre feuille de route, notre planification territoriale qui est Horizon 2025. Donc, d'année en année, on a eu toutes sortes de thèmes, de discussions qui ont eu cours. On a établi un certain nombre de priorités. On a fait état de l'avancement de chacune des actions du projet de territoire. Cette année, ça ne fera pas exception à la règle. On a tenu, malgré le contexte de la pandémie, à se réunir. Et bien entendu, nous avons été dans l'obligation de s'ajuster, comme vous pouvez le constater maintenant, donc avec une formule renouvelée, une formule par webinaire, mais quand même en tenant à se rassembler avec nos partenaires socio-économiques et ouvrir à l'ensemble de la communauté des îles, à la population des îles, pour faire état de l'avancement de ce fameux projet de territoire. Oui, l'année 2020 aura été particulière parce qu'une grande partie de l'année a été consacrée pour lutter contre la pandémie. Mais au cours de l'année, on a continué de travailler sur des dossiers d'importance, on a continué de se rassembler, se concerter pour évidemment faire avancer notre communauté. Les gens d'affaires, les institutions, les différents organismes communautaires se sont mobilisés pour continuer d'offrir une prestation de service à la communauté des îles dans un contexte de pandémie. Il y a des ajustements qui ont été nécessaires, autant pour les employés de ces organisations-là que pour la clientèle qui font affaire avec les organisations. Et malgré cet agenda chamboulé, on a su, comme je le disais tout à l'heure, faire avancer des dossiers d'importance pour notre communauté. J'aimerais prendre quelques minutes ce matin pour vous présenter chaque personne, chaque membre du Forum des partenaires, puisque le Forum, entre deux rendez-vous annuels, tient des rencontres évidemment pour échanger, pour débattre des différents enjeux ou des différentes actions qui sont portées par le Forum des partenaires, mais également, tout dépendant de l'actualité, le Forum peut et se réunit au cours d'une année et on ajuste évidemment nos interventions qui viennent évidemment, qui en découlent dans chacune des interventions, des organisations, pardon. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter l'ensemble des membres du Forum. Donc, pour l'organisme Arimage, ici c'est Anne-Marie Boudreau qui est avec nous ce matin. Pour Tourisme Île-de-la-Madeleine, Michel Bonato. Je vais y aller autrement, d'ailleurs. On va s'ajuster. Là, l'écran vient d'apparaître devant moi. Et plutôt que garder ma liste papier, je vais vous regarder droit dans les yeux. Donc, je recommence. Donc, qui assiste avec nous ce matin, bon, Véronique Chiasson pour l'équipe de développement social. Bonjour, Véronique. Brigitte Aucoin pour la commission scolaire des îles. Anne-Marie Boudreau pour Arimage, comme je viens de le mentionner. Marie-Ève Giroux pour Attention fragile. Caroline Jonfre pour le Bon Gouffret des Îles. Sonny Cormier pour la Chambre de commerce des Îles, toujours. Serge Rochon pour la communauté maritime des Îles et la municipalité des Îles. Daniel Godin pour la SADC. Michel Bonato pour Tourisme de la Madeleine. Karine Rioux, nouvellement arrivée aux Îles de la Madeleine, nouvelle directrice aussi du comité ZIP. Claude Cyr, en remplacement de Jasmine Martineau pour le 6 des îles.
Et ma collègue Rose Elmonde-Clark de la municipalité de Grosse-Île, mais aussi qui est représentante à la communauté maritime des îles. Et je vous présenterai aussi les gens qui m'accompagnent. Donc, il y a Laura Hébert de l'équipe de développement du milieu, Marie-Christine Leblanc qui était tout à l'heure à l'accueil, et Josiane Paulos qui est la directrice du développement du milieu qui est juste ici à côté de moi. On a Nathalie Cyr aussi à la technique de la communauté maritime et toute l'équipe de l'île imaginaire qui font un travail déjà colossal là, pour permettre la réalisation de cette journée-là. Donc, en terminant, je vous souhaite de très bons échanges. On aura l'occasion d'avoir deux présentations pour faire état de l'avancement et de la mise à jour là, de l'ensemble du projet de territoire. Il y aura par la suite, là, évidemment, un moment qui est fort important chaque année, un moment d'échange et d'intervention entre les différents membres du forum, mais aussi les différents participants à cette journée. Notre territoire a su se relever de nombreux défis par le passé. Notre territoire et l'ensemble de la communauté ont fait preuve de résilience à travers ces défis-là. Et encore cette année, je pense que la force de la communauté a été égale à notre capacité de se concerter et à travailler ensemble, mais surtout à partager des objectifs communs. Et c'est ainsi qu'on réussira à bâtir ensemble l'avenir de la communauté des îles. Même s'il y a beaucoup de travail qui a été effectué par le passé, mais il en reste encore beaucoup à faire. Et c'est avec vous et c'est avec chacun des partenaires et avec l'ensemble de la population des îles qu'on va être en mesure d'atteindre nos objectifs et de surmonter les différents défis qui se dressent devant nous. Donc, une merveilleuse journée à chacun de vous. Et encore une fois, merci de votre belle participation de ce matin. Donc, merci beaucoup, Jonathan. Je me permettrai d'ajouter, parce qu'elle n'est pas présente aujourd'hui, et on a aussi Maryse Leblanc, qui représente la TOC, la Table des organismes communautaires, si je me trompe. Celle qui est alors. Oui, c'est ça. Mais on m'a soufflé à l'oreille quand même de l'ajouter. Et tantôt, par nervosité, vous m'excuserez. Première rencontre annuelle, j'ai oublié de me présenter. Marie-Christine Leblanc, comme Jonathan l'a dit, je suis agente de développement territorial dans l'équipe de développement du milieu. Donc, je vais faire l'animation pour la journée d'aujourd'hui. Avant de débuter avec les présentations, peut-être quelques petites règles en fait là, à suivre dans le cadre du webinaire. Tout au long de la rencontre, là, je vous invite à utiliser le chat. Si vous avez des commentaires, questions, problèmes techniques, on a Nathalie Cyr qui est ici avec nous aujourd'hui qui va pouvoir là, vous répondre. Et vous pouvez aussi utiliser le petit bouton questions-réponses. Si jamais là, vous ne voulez pas intervenir verbalement, vous pouvez le faire en écrivant là, dans le module et on va reprendre votre question afin d'y répondre. Également, je tiens à souligner, vous l'aurez remarqué, la séance est enregistrée en fait puisqu'elle sera disponible par la suite sur YouTube pour les personnes qui voudront le rattraper, étant donné là, que la technologie nous permet de le faire cette année. Et également, pour votre information, il y aura une période de questions après chaque présentation, donc après la présentation de Laurent. Et dans le cadre de la présentation de Josiane, il y aura des périodes de questions après chaque pôle. Donc, la rencontre se tiendra comme suit. Donc, actualisation du projet de territoire Horizon 2025 et état d'avancement des actions qui suivra par la suite. Donc, voilà, pour la période de questions, là, je le répéterai à chaque fois, mais je vous invite là, pour ceux qui sont spectateurs à lever la main afin qu'on puisse là, vous donner le droit de parole. Certains d'entre vous doivent être habitués, étant donné qu'on a passé une partie de l'année en rencontre sur Zoom aussi. Et sinon, je crois que oui, je regarde mes notes juste pour être sûr, mais ça fait le tour. Donc, je vais céder la parole à Laura Hébert, qui est superviseure et agente de développement dans l'équipe de développement du milieu. Excusez-moi, j'ai perdu mon putain pour partager mon écran. Bonjour tout le monde. Vous voyez bien mon écran? Oui, donc j'y vais. Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler de l'actualisation du projet de territoire Horizon 2025, démarche qui a été faite dans la dernière année. Donc, vous expliquer d'abord pourquoi il y a une démarche d'actualisation qui a été faite, comment ça a été fait, puis finalement, qu'est-ce qui a changé.
Le document est disponible sur le site web de la municipalité, la version actualisée, mais aussi la version originale. Donc, je vous invite, là, à la suite de la rencontre d'aujourd'hui, à aller en prendre connaissance. C'est une excellente lecture de chevet, je vous le recommande à tous. Donc, le projet de territoire Horizon 2025 a été adopté en 2013 à la suite d'une vaste démarche de consultation citoyenne et aussi des organisations du territoire à laquelle vous avez probablement participé. Cette démarche-là a mené à l'identification des enjeux de développement du territoire dans un diagnostic, au développement d'un énoncé de vision, à des orientations et aussi un programme d'action, le tout sur la base d'une responsabilité partagée par les acteurs du milieu. Donc, pourquoi on parle d'une démarche d'actualisation aujourd'hui? Eh bien, dans la dernière année, les membres du Forum des partenaires ont soulevé de concert la nécessité de procéder à une mise à jour. En 2020, on est 7 ans plus tard. Donc, c'est le moment de s'arrêter, de vérifier si la direction dans laquelle on va est toujours bonne. Est-ce qu'on vise toujours le même horizon? Se réajuster aux besoins, puis également évoluer avec les enjeux là, du territoire qui, eux, ont changé avec les années. Tout ça nous permet de rester cohérents avec les réalités du milieu. Donc, l'exercice qu'on vient de faire, qu'on vient d'accomplir, a permis de réaliser qu'il y avait évidemment de nombreux projets, de nombreuses actions qui sont réalisées à travers les dernières années. Ça permet de montrer clairement là, la vitalité du milieu. Donc, on continue d'avancer. On est sur la bonne voie, puis on se rapproche de notre destination. La démarche s'est étalée sur la dernière année, comme je l'ai mentionné tantôt. À l'automne 2019, il y a eu une mise à jour du diagnostic. Donc ça, c'est comme un peu la lecture du milieu à ce moment-là. On a mis à jour les enjeux. Il y a des nouveaux enjeux qui sont apparus depuis 2013, d'autres qui sont atténués. Donc, cette mise à jour-là vous a été présentée à la rencontre du Forum des partenaires en 2019 par Gabrielle Landry. Par la suite, il y a eu du travail de fait au cours de l'hiver dernier, donc des rencontres de travail par pôle sur l'économie, société, culture, environnement, avec les acteurs concernés, avec le Forum des partenaires, ce qui a permis de travailler à la modernisation du programme d'action, de proposer de nouvelles avenues. Donc, à la suite de ça, c'est le service de l'équipe de développement du milieu qui a travaillé là, à refaire le programme d'action, à l'intégrer et à refaire un nouveau document initial là, que vous trouvez aujourd'hui sur le site web de la municipalité. Finalement, à l'automne 2020, donc tout récemment, le Forum des partenaires a adhéré à la version actualisée et qui a aussi été adopté par le Conseil de la communauté maritime, qui en a profité pour réitérer son engagement à assurer la mise en œuvre du projet de territoire et aussi à assumer les actions là, dont il est responsable. Je prends une petite gorge. Notre territoire est en constante évolution, mais la vision qui a été énoncée en 2013 est toujours pertinente. Donc, nous sommes toujours sur la bonne voie. La même chose en ce qui concerne les orientations, les 6 orientations, elles sont toujours ancrées dans le milieu. Donc, ça se poursuit à ce niveau-là. L'exercice d'actualisation s'est donc fait principalement au niveau du programme d'action, toujours pour permettre de s'adapter aux nouveaux enjeux, rester cohérent avec les réalités du milieu. Donc ici, mon objectif, c'est pas de vous présenter, là, de passer en revue la 60aine d'actions qui composent le projet de territoire, mais de vous présenter surtout quelques exemples en vous expliquant les principaux changements et pourquoi. Vous dire aussi la version originale du projet de territoire comptait 74 actions. Dans la version actualisée, on en compte 63, principalement parce qu'il y en a, il y a certaines qui ont été regroupées ensemble, mais il y en a d'autres, comme ils étaient réalisés, là, elles ne reviennent pas dans la version actualisée. Donc, quelques exemples. Il y a 8 actions de la version originale du projet de territoire qui sont réalisées.
comme c'est le cas de celle-ci, par exemple, sur l'avenir des arénas, c'est une action qui était dans la version 2013, qui s'est conclue par l'ouverture du centre multisport des jardins en 2019. Donc, cette action-là est réalisée. Elle ne réapparaît pas à la version originale, à la version actualisée, pardon, du projet de territoire. Il y a d'autres actions qui sont terminées, qui ont plutôt migré vers une nouvelle action. Par exemple, en ce qui concerne l'insularité, en 2013, l'action était la suivante, documenter les surcoûts liés à l'insularité et déterminer des solutions pour les amenuiser. Vous le savez, il y a eu beaucoup de travail de fait à ce niveau-là dans les dernières années. Il y a un argumentaire qui a été préparé, il y a de nombreuses démarches politiques qui ont été faites. Tout ça a amené à l'adoption d'un décret par le gouvernement provincial là, en 2016 qui reconnaît les particularités insulaires. Donc, la nouvelle action de la version actualisée 2020 du projet de territoire est plutôt de s'assurer du maintien de la reconnaissance des particularités insulaires par le gouvernement du Québec. Un autre exemple tout simple, en 2013, à ce moment-là, le Conseil de la communauté maritime souhaitait se doter d'une stratégie énergétique pour le territoire. Eh bien, la stratégie a été adoptée il y a déjà quelques années. Donc, l'action dans la version actualisée du projet de territoire s'intitule maintenant « Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie énergétique ». Enfin, dans le projet de territoire actualisé, on ajoute 4 nouvelles actions cette année pour répondre à des nouveaux enjeux principalement. La première concerne le maintien des responsabilités du gouvernement fédéral relativement aux infrastructures essentielles de transport maritime et aérien. Donc, on parle du port de Cap-au-Meule, de l'aéroport. C'est surtout une action les actions sont faites par la commission consultative sur les transports. On en revient, vous en entendrez parler un peu plus tard là, dans la présentation de Josiane. Ensuite, solliciter l'amélioration générale des services par les entreprises de transport maritime et aérien. Donc, ça permet de poursuivre là, les représentations auprès des instances décisionnelles concernées pour des améliorations continues. On en reparlera plus tard aussi. Également, un projet de circuit cyclopédestre pour une pratique du vélo accessible et sécuritaire. Et enfin, finalement, identifier et participer à la mise en œuvre de solutions en matière de logement locatif et de garderie. C'est une problématique qui est assez sérieuse pour que l'ensemble des partenaires décident de mettre l'épaule à la roue pour identifier des solutions novatrices. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Dans la présentation suivante, au cours d'une vidéo, le directeur général de la municipalité, Serge Rochon, vous en reparlera des dernières avancées à ce niveau-là. Ensuite, il y a des actions qui ont évolué, une vingtaine d'actions. Certaines d'entre elles ont évolué pour s'adapter à des changements d'enjeux. D'autres ont évolué à cause qu'il y a eu des gains dans les dernières années. Puis parfois, on a reformulé l'action pour plus de pertinence. 3 exemples ici. En 2013, on parlait d'une stratégie d'attraction des télétravailleurs et des travailleurs autonomes. À la suite de la démarche de plan de diversification économique qui a été réalisée dans les dernières années, la réflexion a montré qu'il fallait élargir et donc on parle maintenant d'une stratégie d'attraction des investissements et des entrepreneurs qui est en cours présentement, donc on continue à la déployer. Une autre action qui concerne le secteur de l'éducation, puis ici je trouve que c'est intéressant parce qu'il s'agit d'un gain. En 2013, l'action s'intitulait « Diversifier l'offre de formation professionnelle », c'était très important pour le territoire. Les efforts des dernières années ont porté fruit, comme le démontre le changement de libellé aujourd'hui. Donc, l'action, c'est maintenant maintenir une offre de formation diversifiée. Donc, on a atteint un but, mais le travail se poursuit, dans le fond. Et enfin, avant, en 2013, on parlait de poursuivre les interventions liées aux démarches intégrées de développement social. Il y a eu un changement de libellé qui a été fait. Ça permet de mieux rendre compte du travail qui s'accomplit pour l'amélioration des conditions de vie des Madelinots. Donc, on poursuit les efforts visant à réduire les inégalités sociales au sein de la communauté par la mise en place de différents projets collectifs. Et enfin, 42 actions du projet de territoire se poursuivent. Ça représente quand même 65 % des actions. Elles se poursuivent pas parce que, c'est surtout pas parce que rien n'a été fait là, dans les 7 dernières années, mais
La plupart d'entre elles, en fait, sont des actions qui se réalisent en continu, donc sans échéancier, ou certaines autres parce que c'est les échéanciers sont plus longs aussi. Donc, quelques exemples rapidement. On parle de soutenir le développement des entreprises, privilégier le maintien de la propriété locale, poursuivre les efforts visant la circulation en milieu fragile, assurer des soins et des services de santé de qualité sur le territoire. D'autres exemples, par exemple, maintenir la vigilance à l'égard des liens maritimes, poursuivre les efforts visant l'étalement de la saison touristique, et etc. Donc, en conclusion, le projet de territoire Horizon 2025, ça constitue le reflet de la capacité du milieu à travailler en concertation. On est plus de 100 personnes présentes aujourd'hui, donc je pense qu'il y a une habitude qui s'est installée dans les dernières années. Depuis 2013, le document a servi de guide dans nos interventions en devenant la feuille de route du territoire qui a favorisé la cohérence de l'action collective. Donc, la mise à jour qu'on a faite dans la dernière année nous a permis de constater la justesse de la vision, des orientations, des objectifs de départ. Parce que, comme vous venez de le voir, en effet, cette année après son adoption, il n'y a aucune modification qui a été jugée nécessaire dans les orientations, très, très peu dans les objectifs, alors que la vision demeure telle qu'elle. On est toujours sur la bonne voie, puis on se rapproche de notre horizon de 2025. Qu'est-ce qui est à venir dans les prochaines années? Parce que 2025, ça approche quand même, c'est de plus en plus proche de nous. Donc, il y aura une mise à jour approfondie du diagnostic du territoire qui devra être faite. Cette étape va être préalable à l'adoption, à l'élaboration pour 2025 là, d'un nouveau projet de territoire. Ce sera peut-être 2035, on n'a pas encore statué là-dessus. Donc, il y a un nouvel exercice de projection dans le futur là, qui va être nécessaire d'ici les 3 prochaines années, à laquelle vous serez bien sûr invité à collaborer. Le Forum des partenaires, lui, sera évidemment au cœur de cet exercice. Il s'agit d'ailleurs d'un des grands chantiers de la planification stratégique municipale. Donc, je termine en vous disant, à mesure des résultats qui ont été obtenus depuis l'adoption de 2013, puis on va pouvoir le voir tout de suite après là, dans la présentation de Josiane pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année. Cet exercice à venir-là s'annonce porteur pour le développement de l'archipel. Donc, je vous rappelle que la version originale du projet de territoire ainsi que la version actualisée sont disponibles sur le site web de la municipalité et ce sont d'excellentes lectures de chevet. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Donc, avant de poursuivre avec la présentation de Josiane, si jamais certains d'entre vous là, ont des questions, je vous invite à lever la main ou encore à le poser là, dans, comme je vous disais, dans le petit module en bas, questions-réponses. Sinon, je crois que j'ai Jonathan Lapierre ici qui voulait intervenir en premier. Juste quelques précisions. Tout à l'heure, on a nommé les membres du Forum des partenaires qui étaient présents à l'écran, mais ce n'était pas l'ensemble des membres du Forum des partenaires. Donc, pour être sûr et certain qu'on n'oublie personne, je rajouterais qu'il y a Catherine Jonve-Godin, qui est également membre du Forum des partenaires, qui représente la table consultative jeunesse. Il y a également la table pêche qui est représentée par Mario Terrasse. Je ne sais pas si Mario est avec nous ce matin, mais normalement, Mario est là. Il y a également un membre de la communauté maritime et de la municipalité des Îles, Richard Leblanc, aussi, qui est conseiller municipal de Cap-aux-Molles, Île d'Entrée, qui n'était peut-être pas là au début, mais là, qui, je crois, est avec nous. Donc, évidemment, on salue ces membres-là qui collaborent avec nous tout au cours de l'année, comme tous les autres membres du Forum des partenaires. Et donc, désolé de l'oubli de départ. Et aussi, rajouter en terminant que dans les nouveautés cette année, oui, il y a la formule web qu'on connaît actuellement, mais il y aura une nouveauté tout au cours des 12 prochains mois. Donc, il y aura des rendez-vous mensuels qui vous seront présentés avec différentes thématiques, qui seront présentées par différents partenaires qui voudront bien là, se prêter au jeu. Évidemment, vous aurez plus de détails un peu plus tard au cours de la journée, mais même au cours des prochaines semaines, donc avec les adresses, parce que ce sera bien entendu des rendez-vous virtuels. Donc, il y aura les adresses, il y aura les heures, les journées là, pour vous brancher et assister à ces rendez-vous qui font partie des nouveautés du Forum des partenaires. Donc voilà, Marie-Christine, je te cède la parole à nouveau.
Merci beaucoup, Jonathan. Donc, comme Jonathan le disait, tout au long de la rencontre, si vous, il y a des actions, en fait, là, qui sont dans la présentation de Josiane qui vous sonnent une cloche ou qui vous interpellent pour lesquelles ou laquelle vous aimeriez vraiment en entendre parler davantage, je vous invite à les inscrire là, dans le petit module de chat. Puis, on va toutes les prendre en note, en fait, là, tout ça pour élaborer le calendrier des rendez-vous. Ça, c'est vraiment là, une façon un peu là, de décortiquer, si on veut, le projet de territoire et vraiment les actions là, de façon plus précise auprès de la population et des différents partenaires, évidemment, là, de la communauté maritime. Donc, je regarde mon écran juste pour valider si on a des mains levées. Sinon, on va y aller là, avec la présentation de Josiane qui fait l'état d'avancement des actions pour la dernière année. Donc, je vais partager mon écran. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir ce matin d'être avec vous pour cette 7e rencontre annuelle du Forum des partenaires. Donc, comme Marie-Christine l'a mentionné, là, comme à chaque année, on va faire une revue de l'actualité par l'avancée de certaines actions du projet de territoire. Le contenu provient du tableau d'avancement des actions qui est d'ailleurs disponible sur le site de la municipalité. Je tiens d'entrée de jeu à souligner que les choix éditoriaux ne sont pas faits en termes d'importance, mais c'est par souci de synthétiser ce matin la présentation, on a dû faire ressortir quelques actions de chaque pôle. Je rappelle aussi que le mandat du développement du milieu, c'est de récolter chez les différents partenaires les informations par rapport aux avancements qui ont été faits dans l'année. C'est un travail d'équipe qui, oui, est porté par la communauté maritime, mais qui est réalisé par l'ensemble des partenaires impliqués, et ce, depuis 2013. Comme Marie-Christine vous l'a dit aussi, il y aura une période de questions, en fait, à la fin de chaque pôle. Il y aurait aussi certaines actions qui vont être présentées par le biais de capsules. On espère que ça va rendre la présentation un petit peu plus dynamique, donc n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions. Elles sont toutes les bienvenues. Donc, au niveau du premier pôle, transport et communication, notre orientation qui est d'assurer des liens de transport et de communication efficaces entre l'archipel et le continent. Donc, on parle bien évidemment de liens maritimes et aériens. On peut dire que cette année, là, il y a eu de nombreuses rencontres qui ont émergé là, à la suite des impacts de la pandémie pour la commission consultative sur les transports. Il y a eu la négociation d'un passage dans les maritimes pour faciliter l'accès à la région. Il y a eu plusieurs échanges qui ont mené au début octobre à une demande formelle faite à la santé publique pour interpeller directement les provinces maritimes dans le but de revoir les conditions de déplacement imposées aux personnes qui font la route vers les îles. Ça a été clairement établi que c'est un enjeu de sécurité. Également, il y a des démarches continues là, qui sont faites pour solutionner le transport aérien. Grosse nouvelle, là, au début de l'été, là, à la suite de l'annonce de l'abandon de la desserte d'Air Canada, il y a plusieurs interventions au gouvernement provincial et fédéral qui ont été faites. Les revendications, là, c'est du maintien des responsabilités gouvernementales, précise l'importance de non seulement mettre des mesures en place à court terme là, pendant la période de pandémie, mais aussi de trouver des solutions là, pour durables, pour garantir des services stables, viables et réalistes sur l'archipel. Il y a aussi une rencontre qui a été faite avec Pascan Aviation pour consolider et bonifier l'offre de service des îles. On a vu beaucoup d'ouverture du transporteur. Il y a eu la mise en place d'ailleurs là, des vols directs sur Québec et l'acquisition là, récente d'un nouvel appareil, le Saab 340B, qui peut maintenant contenir 33 passagers. Maintenant, au niveau de la flotte de la CTMA, je vais inviter Marius Arsenault, par le biais d'une petite vidéo, à vous présenter les différentes actions. Ça a aussi beaucoup bougé au niveau des navires de la CTMA. Pardon.
Dans la particularité de l'insularité qu'on vit aux Îles-de-la-Madeleine, le transport de personnes, de marchandises est d'une importance névralgique. Dans les dernières années, la CTMA a travaillé activement au renouvellement de sa flotte. Pourquoi? Pour répondre à sa mission. Sa mission, qui est simple, c'est d'assurer un service fiable, efficace et de bien répondre aux besoins des Madelinos. Concrètement, en 2019, la CTMA a fait l'acquisition d'un nouveau navire cargo, le Clipper Ranger, qui va venir remplacer le CTMA Voyageur, qui devenait de moins en moins efficace et surtout au niveau de la fiabilité. Le Clipper Ranger répond vraiment aux besoins de l'espace cargo, avec le gros avantage qu'il peut transporter jusqu'à 53 remorques de 53 pieds. C'est le double du CTMA Voyageur. En juillet 2020, Transport Canada confirme l'achat d'un navire, le Villa des Terres, qui remplacera le Madeleine, qui fait la liaison entre les îles de la Madeleine et l'île du Prince-Édouard. Le Villa des Terres est un navire qui a été repéré par la CTMA et en travaillant conjointement avec le gouvernement du Canada. Et on est très heureux de pouvoir l'accueillir en été 2021 au port de Capoma. L'achat, c'est une belle preuve de confiance du gouvernement du Canada à l'égard de notre coopérative madelinienne. L'arrivée du navire va assurer le développement économique de notre territoire. Il vient aussi appuyer de façon significative l'industrie touristique des îles. L'impact est extrêmement positif pour la destination et pour les emplois. Également, dans les dernières années, la Commission consultative sur les transports a été d'une grande aide pour consulter la population. On pense notamment aux questionnaires concernant le changement d'horaire aux traversiers qui aura permis de mettre en place le projet pilote du départ du traversier un peu plus tôt le matin. Aussi, avec la pandémie et la bulle atlantique, il a été convenu avec la Commission consultative sur les transports de retarder le départ du traversier à partir de Souris pour permettre d'améliorer les conditions des voyageurs. Comme vous pouvez le constater, ça a beaucoup bougé dans les derniers mois. Le transport de personnes et de marchandises restera toujours au cœur des priorités. La CTMA va continuer d'être proactive et maintiendra sa collaboration avec les acteurs du milieu, toujours dans l'optique de prendre des décisions orientées vers le développement socio-économique de notre archipel. Bonjour. Donc maintenant, au niveau des télécommunications. On va parler d'abord du plan d'urgence. Donc, le gouvernement provincial a mis en place là, un lien micro-ondes entre les îles et l'île du Cap-Breton. Cet appareil va servir en fait à prendre la relève si les deux câbles sous-marins venaient à céder, comme ça a été le cas durant la tempête de novembre 2018 Dorian. Également, le gouvernement du Québec octroie 5 millions de dollars au réseau intégré de communication électronique des îles en cas de bris majeur des câbles, puisqu'ils ne sont plus assurés depuis le 1er janvier dernier. Et toujours en vigueur le projet du troisième lien numérique qui est à l'étude par le gouvernement du Québec et qui serait installé là, parallèlement au raccordement électrique d'Hydro-Québec qui est toujours prévu pour 2025. C'est sûr que les questionnements là, d'Hydro-Québec au sujet du raccordement des îles viennent soulever des questionnements là, autant au niveau des partenaires qu'à la communauté maritime pour ce qui est des solutions qui sont pérennes. Donc, reste à voir là, au cours des prochains mois comment ce dossier va se développer. En ce qui a trait maintenant Internet haute vitesse, en octobre, le bilan des travaux s'élève à plus de 5 000 branchements de foyers sur l'archipel qui sont maintenant desservis là, avec Internet haute vitesse par Derry Télécom. Il reste, dans le fond, dans les dernières données qu'on a eues, 133 foyers à être branchés. Donc, je peux vous dire que la communauté maritime suit de près le calendrier de branchement restant. Voilà. Et également, il y a une estimation qui est en cours du nombre d'entreprises qui ont besoin d'une plus grande capacité de téléchargement. Il y a aussi, il y a des partenaires qui ont soulevé là, les coûts liés au changement, au bris de contrat entre Télébec et Derry Télécom. Donc, je peux vous dire que c'est également un dossier qui va être suivi de près dans les prochains mois. Et finalement, on peut souligner aussi que Cogeco Communications a fait l'acquisition de Derry Télécom cette année, mais on ne connaît pas encore les impacts par rapport à cette transaction. Donc, voilà.
D'écran, le temps de la période de questions pour le pôle transport. Donc, si jamais vous avez des questions pour les membres du forum, en fait, là, vous pouvez tout simplement là, activer votre micro. Sinon, pour les autres spectateurs, je vous rappelle que vous devez lever la main afin que Nathalie là, puisse vous donner le droit de parole. Est-ce qu'on a quelqu'un qui voudrait intervenir? Sinon, je sais qu'on a dans nos spectateurs là, Vanessa Loignon avec Emmanuel Aucoin de la CTMA. Je ne sais pas si vous auriez le goût de rajouter quelque chose suite à la capsule de Marius. Mon Dieu, excusez, j'ai eu un blanc de mémoire, qui est le nouveau président du conseil d'administration. Si oui, je vous invite à lever la main, effectivement, pour que Nathalie là, puisse vous donner le droit de parole. Sinon, comme disais je... Oui, Jonathan, vas-y. Bah, peut-être juste un élément, là, en écoutant la vidéo, ce que ça nous rappelle, c'est toute l'importance de la gouvernance locale par rapport à CTMA. Donc, évidemment, cette année, avec le contexte de la pandémie, avec les restrictions pour les déplacements sur la route au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard, CTMA, comme Marius le disait, suite à la demande de la Commission des transports, a réajusté l'horaire du traversier pour permettre aux gens de voyager ou de rouler plus pendant la période de jour que pendant la période de nuit. Tout ça pour améliorer la sécurité des différents passagers. Donc, ça traduit bien ce qu'est la gouvernance locale. Donc, rapidement, le milieu a été en mesure de s'adresser à la direction de CTMA et la direction de CTMA réagit presque instantanément aux demandes, lorsque ces demandes-là sont wow. possibles d'être répondues, bien entendu. Mais c'est pour moi, là, c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'est une gouvernance locale et ça démontre vraiment toute son importance. Oui, donc on a Vanessa Loignon qui est aux communications de la CTMA qui a levé la main. Oui, c'est Emmanuel qui parle. Donc on est dans la salle ensemble pour écouter et suivre le forum. Peut-être juste rajouter un point par rapport à ce qui a été dit. L'année pour un peu l'information aux partenaires, l'année qui s'en vient va être assez mouvementée, va être assez chargée avec l'arrivée du Villa des Terreurs. Le bateau étant un nouveau bateau importé qui est plus gros, qui a quand même un impact majeur dans les infrastructures portuaires, etc. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche en termes de travaux d'ingénierie, de revoir les méthodes et comment on va faire. Et à ce niveau-là, on vous assure que les équipes là, travaillent fort et sont en train de préparer l'arrivée du bateau ici aux îles de la Madeleine pour être en service en début juin. Et en même temps, on en a profité cette année pour travailler l'implantation d'un nouveau système de réservation qui retarde actuellement, qui devrait normalement être en service à la mi-janvier ou à la fin janvier. Ça va vraiment bien, mais ça amène aussi toute une révision du fonctionnement des réservations, une révision des politiques et tout ça. Donc, on va avoir besoin de vous le présenter, on va avoir besoin de vous autres pour s'assurer qu'on répond aux besoins à long terme en termes de système de réservation efficace, puis être capable de faire nos allers-retours dans les horaires prescrits et dans les temps et efficacement. Donc, on va vous revenir avec ça. On est en train de faire un plan de communication. On va vous le présenter. Mais pour vous dire que la prochaine année, c'est une année de changement et on va vous demander beaucoup de l'aide, si on veut, et de nous aider en termes de communication aussi avec les gens, avec la population ici aux îles. Emmanuel, moi, je prends la balle au banc. Je vous invite à participer à un de nos rendez-vous mensuels qui débutera en 2021. Comme ça, vous pourrez profiter aussi de l'occasion pour présenter tout ça à la population et aux partenaires, si vous le voulez bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer en fond là, avec la présentation de Josiane et le pôle économie. Et voilà. Génial. Donc, effectivement, au niveau du pôle économie, on a deux orientations, soit de consolider et de diversifier notre économie et d'œuvrer collectivement au renforcement de notre capacité d'agir. Donc, on va débuter
avec l'exploitation et la transformation des ressources halieutiques. Donc, je pense que c'est important qu'on précise que malgré les craintes qui étaient liées là, aux mesures sanitaires qui étaient imposées par le gouvernement en début de saison, on peut dire que l'industrie des pêches a vraiment su s'adapter puisque le bilan final de la saison a été somme toute très positif. On parle d'une augmentation de 13,7% des captures. Ça a quand même soulevé des inquiétudes là, au niveau des associations de pêcheurs puisque, par contre, la valeur du stock a une diminution de 15%. Voilà, sauf que somme toute, c'est ça, la saison s'est très bien passée. Au niveau du dossier de Brion, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique qui a annoncé en fait l'autorisation d'une chasse aux phoques scientifiques cet hiver. C'est une chasse qui va être documentée dans le cadre du projet de recherche sur les impacts de la colonie de phoques sur l'écosystème dunaire de Brion. Donc, on peut dire que c'est un gain là, à la suite des différentes représentations qui ont émergé de la table pêche et mariculture. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous dire qu'on a une bonne nouvelle. La communauté maritime a reçu un financement du MAPAC là, pour une durée de 3 ans pour d'ailleurs animer la table pêche et mariculture. J'en profite pour vous dire que le 11e rendez-vous va se tenir le 16 décembre prochain, toujours de façon virtuelle. Vous allez recevoir là, des communications à cet effet dans les prochaines semaines. Ça l'a aussi mené à l'embauche d'une nouvelle chargée de projet en concertation et liaison sectorielle, Évangeline Leblanc, qui, d'ailleurs, à travers ses fonctions, va s'assurer du respect des conditions qui ont été émises par les associations des pêcheurs là, dans la poursuite des étapes de la mise en place du projet du parc marin. D'ailleurs, je peux aussi dire qu'un autre point positif de cette démarche, ça a été l'obtention de la mise à jour de l'étude sur la contribution économique du secteur des pêches et de la mariculture aux îles, qui avait été précédemment faite en 2014. Donc, Parc Canada et le ministère se donnent 2 ans pour compléter son actualisation. Autre point positif, l'Association des pêcheurs propriétaires des îles, la PIM, et l'Office des pêcheurs de Haut-Mort ont conclu en août dernier une entente de partage à part égale, en fait, de la propriété de l'unité d'accréditation du Marine Stewardship Council, soit du stock de Haut-Mort, de la zone 22 du Golfe, pour la première pêcherie de l'archipel, et ce, jusqu'en 2023. Donc, c'est ce qui fait le tour au niveau des pêches et de la mariculture. Maintenant, pour ce qui est du secteur agroalimentaire, je tiens aussi à souligner qu'Évangeline s'occupe également de supporter le secteur agroalimentaire des îles et qu'il y a une entente sectorielle qui est en train d'être en voie d'être signée et qui sera d'ailleurs bonifiée. Sinon, il y a eu la poursuite par le bon gouffret des îles là, et la consolidation du marché du village qui a su s'adapter aux mesures sanitaires qui étaient imposées. On a une participation record du défi 100% local dans les 14 des 17 régions administratives du Québec. C'est important de souligner là, que les îles ont initié ce projet durant la pandémie a pris une ampleur indéniable. Il y a aussi la poursuite des campagnes d'achat local des marchés d'alimentation, à laquelle, dans le fond, choisit les îles. Là, la campagne d'achat local qui a été mise en place au début de la pandémie s'est joint pour tenter de bonifier les actions. Et il y a eu la mise en place d'un projet de développement de menu en collaboration avec le Bon Gouffret des îles et le Centre de services scolaires qui vise à intégrer d'ailleurs des produits locaux dans le menu qui est offert à la clientèle de la polyvalente des îles. Maintenant, pour ce qui est du secteur du tourisme. Donc, on peut dire qu'actuellement, il y a une démarche de consultation qui est en cours. Dans l'objectif de cette démarche-là, c'est vraiment de faire un développement touristique qui est en adéquation avec la qualité de vie des Madelinots. Ceci a impliqué, en fait, d'élargir le comité qui était déjà présent et d'inclure des citoyens. Il y a eu des consultations publiques là, qui ont eu lieu soit par le biais de questionnaires en ligne ou même en présence. On se souvient que la dernière consultation publique en présentiel a eu lieu la même journée qu'on a eu l'interdiction là, de procéder à des rassemblements de la part du gouvernement. Ces consultations vont mener notamment des travaux pour élaborer la nouvelle stratégie touristique de la destination qui porte évidemment sur la promotion là, des îles à l'année. Ça va être une approche de niche sur les 4 saisons.
On ne peut pas passer outre la mise en place des balises pour l'accueil des visiteurs qui a été mise en place, donc qui était de 35 000 visiteurs. On n'a pas atteint ce chiffre, donc on a un total qui est comptabilisé là, de 29 500 visiteurs pour l'été 2020. On pense évidemment là, que les confusions par rapport à l'entrée, à l'accès à la région n'ont pas aidé là, à ne pas atteindre ce nombre. Donc voilà. Et pour terminer, il y a la poursuite de l'entente de partenariat régional en tourisme qui a cette année d'ailleurs pu soutenir financièrement 5 événements, 3 projets d'attrait et 3 projets de structuration de l'offre. Je ne peux terminer par contre en vous en mentionnant la triste nouvelle là, qui a été l'annulation de la saison des croisières pour 2020. Et dernièrement, malheureusement, la CTMA a dû annoncer l'annulation pour la saison 2021 aussi. Et on souhaite fortement que 2022 va être tout autre. Au niveau du développement des entreprises, ça a été ça aussi une grosse année. Je vais commencer avec une excellente nouvelle que nous avons reçue dans les dernières semaines, qui est en fait le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui a annoncé la création de réseaux accès entreprises qui visent à renforcer les services d'accompagnement et d'investissement qui sont offerts aux entreprises des régions. Donc, ça réitère la compétence de développement économique DMRC, donc de la communauté maritime. C'est une enveloppe de 200 000 $ par année pour une entente de 5 ans qui nous a été octroyée, ce qui veut dire qu'au début de l'année 2021, il devrait y avoir 2 postes supplémentaires ouverts dans l'équipe de développement économique. Et c'est vraiment des ressources qui vont venir aider les entreprises des îles à prendre de l'expansion ainsi que les organismes. Donc voilà, en plus en fait du maintien et de l'amélioration continue là, des subventions qui sont offertes aux entreprises, autant par la politique de soutien aux entreprises, par nos prêts FLIFLS et ainsi que les mesures de soutien aux travailleurs autonomes. Il y a des activités de promotion de l'entrepreneuriat qui sont faites aussi avec les différents partenaires économiques et socio-économiques de la région. Il y a eu des mesures spéciales qui ont été mises en place pour la pandémie. Donc, c'est plus de 100 entreprises qui ont pu bénéficier de cette aide financière qui a été octroyée là, avec 4 volets différents. Aussi, il y a eu de nombreuses actions qui ont facilité le virage numérique des entreprises, autant là, par la SADC, par l'ATR là, via le programme EDNET, via le Technocentre des technologies de l'information et des communications. C'est sûr qu'on doit dire que la pandémie là, a rendu le virage numérique vraiment nécessaire et c'est plus de 75 entreprises qui ont été aidées à cet effet. Il y a aussi, au niveau du secteur culturel, il y a eu la tenue du Forum culturel numérique en novembre dernier qui a abordé les thèmes de commerce en ligne et de la création numérique. Donc, on voit que ça s'est vraiment étalé sur l'ensemble des secteurs. Et finalement, cet automne, il y a le conseil qui a adopté de contribuer à l'implantation de la ruche Gaspésie-Île-la-Madeleine qui va en fait être lancée là, au début 2021. Ce qui est intéressant aussi de dire que c'est qu'au niveau national, le Club Richelieu et Desjardins ont déjà exploré là, un partenariat avec la ruche pour pouvoir faire leur collecte de denrées de façon réinventée cette année là, due aux mesures sanitaires imposées. Maintenant, j'en ai parlé un petit peu là, en lien avec la campagne aussi du Bon Goût Frais des îles là, pour en fait dans les marchés d'alimentation. Il y a la campagne Choisis les îles, la campagne d'achat local qui a pris forme ce printemps. Ça a été une campagne de sensibilisation là, évidemment à l'achat local qui a vécu en fait par le biais de différentes capsules radio. On a distribué des autocollants là, dans les boîtes postales de chaque résident des îles. Il y a eu des affiches, des publicités. C'est une campagne qui a très bien fonctionné. Et d'ailleurs, lundi dernier, on a lancé une deuxième phase
base à cette campagne. Et cette fois-ci, on s'est mis de concert avec les acteurs socio-économiques du milieu pour créer un sondage. Et l'objectif, c'est de recueillir les besoins des consommateurs des îles. Donc, on veut savoir c'est quoi vos habitudes de consommation et qu'est-ce que vous avez besoin pour qu'on puisse bonifier l'offre sur le territoire. Et la suite de tout ça, c'est vraiment de s'asseoir avec les entreprises et de voir comment qu'on peut s'aider à bonifier l'offre qu'on a actuellement sur l'archipel. D'ailleurs, on vous invite à y répondre parce qu'après seulement 24 heures de lancement, le sondage avait plus que 150 répondants. Donc, on peut croire qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Vous trouverez le sondage sur le site Internet de la municipalité. Et maintenant, on ne peut pas parler de développement économique sans soulever le projet d'écoquartier là, au cœur de Cap-Aux-Meules. Je pense que c'est d'une évidence, là, si vous avez passé dans le Cap-Aux-Meules, que la première phase du projet, soit la démolition de l'aréna Wendell-Chiasson, a eu lieu. Donc, je vais inviter, en fait, le maire Jonathan Lepierre, non pas en présence, même s'il est à côté de moi ce matin, mais dans une courte vidéo pour vous en parler davantage. Il y a quelque temps de ça, le conseil municipal a souhaité développer une vision d'avenir, une vision porteuse pour la communauté des îles en développant l'idée d'un écoquartier au centre-ville des îles. L'écoquartier, d'abord et avant tout, s'est situé entre l'école Marguerite-Douville et l'ancienne aréna Wendell-Chiasson. Et ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est créer un nouveau milieu de vie. On veut profiter du momentum avec Hydro-Québec, puisqu'Hydro-Québec souhaite investir dans un micro-réseau. Et on veut développer ce fameux milieu de vie-là pour accueillir des familles d'ici, mais également des familles d'ailleurs. D'abord en créant des logements disponibles à l'année, en attirant ou en développant des commerces de proximité, des commerces de toutes sortes qui répondront d'abord et avant tout à ceux et celles qui vont habiter, qui vont animer cet écoquartier-là. Et cet écoquartier-là, le principe également est autonome sur le plan énergétique. Donc, l'énergie produite pour chauffer les bâtiments, pour développer de l'électricité. Donc, toute cette énergie-là sert évidemment à alimenter que ce soit des véhicules électriques, que ce soit d'alimenter des vélos électriques, puisqu'il y aura des vélos, il y aura des parcs. Donc, il y a toute une synergie qui va se développer autour de ce concept-là. On veut servir évidemment des investissements qui vont être nécessaires pour développer l'écoquartier, pour attirer également des nouvelles familles aux îles, attirer des nouveaux talents qui viendra combler les nombreux emplois qui sont offerts maintenant, mais qui vont être offerts aussi au cours des prochaines années. Donc, c'est une belle vision qui actuellement est portée par le conseil municipal et qui est de plus en plus portée par de nombreux partenaires qui veulent déjà s'y associer au développement de l'écoquartier. Donc, voilà pour l'écoquartier. Et autre projet dont on ne peut faire fi est en fait la création là, de la Corporation d'innovation et de développement et la création de son image de marque La Vague. Donc, on va laisser le nouveau directeur général Gino Thorne venir nous parler un petit peu plus de la mission de La Vague et des actions qui sont tenues là, à travers le projet d'accélérateur d'entreprise. La Corporation d'innovation et de développement des îles, plus communément appelée La Vague, a comme mission de doter les îles d'un espace d'accélération et de croissance afin de stimuler l'entrepreneuriat de Mandino et d'amener des nouvelles idées, des nouvelles synergies et de justement créer de réflexes d'innovation pour les entreprises mandinettes.
Le rôle principal de l'accélérateur est de faire en sorte que l'entreprise qui a des idées, des projets et qui ne savent pas nécessairement vers quel, dans quel axe ou quelle démarche qu'ils doivent entreprendre, nous, notre rôle, c'est de trouver à l'entreprise donc des experts, des coachs qui vont pouvoir les accompagner et vraiment les diriger vers la bonne direction. Très prochainement, nous pourrons compter dans nos rangs le commissaire au développement économique, M. Charles Morissette. Ce rôle sera principalement d'être sur les marchés à l'extérieur des îles et de créer justement un incitatif pour les entreprises et également les investisseurs étrangers à venir s'établir sur les îles de la Madeleine. Et ce, de concert avec les intervenants du milieu, afin de créer une belle synergie et ainsi aider les entreprises locales déjà existantes à se propulser davantage grâce à l'aide de ces nouveaux investissements et entreprises étrangères. Un projet également qui nous tient à cœur et où nous serons prochainement hébergés est l'église de Cap-Aux-Mines. L'église de Cap-Aux-Mines aura comme but de nous abriter, nous, les bureaux de la corporation et d'innovation, et également, il y aura des espaces disponibles pour d'autres entreprises, principalement les entreprises accélérées, qui leur permettra de devenir travailler sur leurs projets, finaliser certaines ententes, travailler avec leurs coachs, avec leurs experts, et ainsi d'avoir toute la technologie nécessaire et également les intervenants autour d'eux afin de les aider à mettre à terme le plus rapidement possible leurs projets. Il est important pour nous de conserver le cachet de l'Église, donc de faire en sorte que les gens, les paroissiens de Cap-Aux-Mines, voient toujours le bâtiment comme il était toujours existant depuis le tout début. L'intérieur va recevoir une cure de rajeunissement importante afin d'accueillir les bureaux, mais l'extérieur ne sera pas touché afin de garder le patrimoine de Cap-Aux-Mines intact. Rebonjour. Donc, toujours dans le pôle économie, on va parler de la gestion des matières résiduelles. Donc, évidemment, il y a du soutien et de l'accompagnement qui est fait avec le CERMIM et différents partenaires là, pour diverses initiatives de valorisation. On parle de résidus marins avec les différents industriels. On parle aussi d'un projet d'utiliser le cordage comme absorbant sur les hydrocarbures et aussi notamment là, pour le bardeau d'asphalte. On s'en va vers une phase là, d'évaluation de la performance et de la valorisation des matières dans le béton bitumineux. Aussi, il y a l'organisation d'un rendez-vous citoyen sur les meilleures solutions de gestion des matières résiduelles qui ont été identifiées comme chantier prioritaire dans la nouvelle planification stratégique municipale et l'échéancier de mise en place de ce rendez-vous est de 2 ans. Et pour terminer le pôle, on va parler de formation. Il y a eu plusieurs avancées dans les dernières années. Ce qui est important de souligner, c'est que les développements majeurs là, au niveau de la formation professionnelle qui remontent déjà à une dizaine d'années, particulièrement les autorisations permanentes pour les programmes en santé, dont ceux pour les préposés aux bénéficiaires et infirmières auxiliaires, ont permis au printemps 2020 de figurer sur la liste des centres autorisés à dispenser les attestations d'études professionnelles express qui ont été développées pour combler la pénurie en préposés aux bénéficiaires, qui a été encore plus importante durant la période de pandémie. Et c'est un exemple flagrant de l'importance d'avoir obtenu cette autonomie là, dans l'offre de programmes dans formation professionnelle aux îles. C'est un programme là, qui permet l'obtention de bourses et de promesses d'embauche d'un an. Il y a eu un travail qui a été fait conjointement entre le CI3S et la résidence Plaisance pour estimer les besoins. Et c'est 23 bourses qui ont été accordées là, pour les 2 premières cohortes. Et il est à noter là, que d'autres cohortes sont à venir. Il y a aussi la bonification de l'offre de formation qui est offerte, qui est en constante évolution. Donc, s'il y a des formations de lancement d'une entreprise, par exemple, gestion des ressources humaines, de l'informatique aux pêcheurs. Donc, tout ça, c'est en lien là, avec les besoins de la population et des entreprises des îles. Voilà. Donc, au niveau du programme de formation spéciale qui a été mis en place dans l'industrie touristique pour le maintien des emplois des travailleurs dans un contexte de ralentissement, son objectif, c'était non seulement de rehausser la qualité de service et de soutenir financièrement les entreprises, mais aussi de s'assurer que les travailleurs puissent avoir recours à l'assurance emploi.
C'est 45 personnes qui ont eu l'opportunité de suivre cette formation-là d'une durée de 2 semaines. Et c'est une aide financière de près de 120 000 $ qui a été octroyée par le gouvernement. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour du pôle économie. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions pour les spectateurs, de lever la main. Entre-temps, durant la présentation de Josiane, on avait une question de Michel Boudreau qui demandait quel partenaire veille au volet historique et patrimonial des îles. Anne-Marie a bien joué son rôle et y a répondu. Sur le forum des partenaires, en fait, on a Arimage, la corporation culturelle là, qui siège comme membre, donc qui s'assure à tout le volet culturel, historique, patrimoine et tout ça. Et comme Anne-Marie le disait dans sa réponse, là, il y a plusieurs partenaires, évidemment, là, dans le milieu qui sont responsables des divers pôles historiques patrimoniaux, comme le Musée de la Mer, le CARDI, le CAMI, le réseau en patrimoine vivant, la municipalité et bien d'autres. Donc, c'est bien des organismes qui veillent à ce volet-là. Puis là, attendez, je m'excuse, je cherche mon chat. On avait une question ici. On avait une question, en fait, là, est-ce que l'accélérateur est seulement pour les entreprises ou s'il y a des organismes et entreprises d'économie sociale qui peuvent en bénéficier? Est-ce qu'on a la réponse? Gino, es-tu parmi nous? Si Gino n'est pas là, je pourrais répondre. Gino, je te cherche dans ma liste de participants. Oui, Gino, si tu veux lever la main, peut-être que tu pourrais répondre. Tu serais le mieux désigné, je crois, pour... Il a levé la main. Ah, les technologies. Donc, tu peux activer ton micro, Gino. Mm-hmm. Tu es là? Oui, je suis là. M'entendez? Ah, oui. Oui, effectivement, donc c'est pas seulement pour les entreprises privées, donc c'est également les organisations. Il y a certains critères donc l'organisation doit faire face. Bon, mais habituellement, on répond assez rapidement aux besoins. Et présentement, pour les gens, même notre site Internet est déjà en ligne et il y a également un onglet où on peut déjà s'inscrire. Rapidement, on pourra voir là, décider si l'organisation ou l'organisme ou l'entreprise sera éligible pour un donc, accélération de son organisation d'entreprise. Donc, je dirais que c'est ouvert à tous, mais il y a certains critères qui doivent être établis qui sont déjà à l'intérieur de notre site Internet. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, Gino. Je ne sais pas si on a une autre question ou quelqu'un qui aimerait intervenir au niveau des actions là, que Josiane a présentées. On a Isabelle Cummings qui a levé la main. Donc, Isabelle, je t'invite à activer ton micro. Oui, vous m'entendez? Bonjour Isabelle. Oui, allô. En fait, juste une petite réflexion là, pour faire un peu du pouce sur par rapport à le mandat d'innovation de la corporation, naturellement, qui est salué. Gino disait que c'était entre autres pour amener les entreprises à développer le réflexe d'innovation. Et mon commentaire, il va surtout dans le fait de dire que en tant que communauté, en tant que forum des partenaires, en tant que milieu, il faut aussi développer ce réflexe d'innovation-là, entre autres parce que là, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est sûr que le CERMIM, on est un centre de recherche qui est établi ici, on est deux pieds deux mains dans cette innovation-là. Et de plus en plus, avec la relance économique, on le voit, la sollicitation des entreprises, des organisations qui viennent frapper à la porte parce qu'ils ont ce désir d'innover-là. Et que ce soit, oui, avec des entreprises, mais aussi avec des organisations et dans le public et parapublic. Donc, tout simplement, juste de garder en tête que dans tout ce volet innovation-là, ce qu'on mène comme centre de recherche, c'est aussi beaucoup en toile de fond de plusieurs actions qui sont au plan d'action du Forum des partenaires. Puis quand on parle dans le pôle économie de renforcer notre capacité d'agir en tant que communauté, ben, ça passe aussi beaucoup par ça, par cette capacité-là d'innovation et qu'il faut développer le réflexe quand on parle de, par exemple, de problématiques comme érosion côtière, pour prendre celui-là, ben, de penser à l'aspect recherche, développement. Oui, il y a une demande de formuler, il y a des choses, on a un objectif, mais de penser qu'il y a peut-être un volet où on peut impliquer aussi des organisations du territoire et entre autres des centres de recherche comme le nôtre
pour travailler, documenter, amener un peu plus loin donc cette réflexion-là vers l'innovation. Tout ça en parallèle et en partenariat naturellement avec la corporation. Merci beaucoup, Isabelle. On a aussi Lucie Beaulieu qui souligne en fait là, qui est d'Investissement Québec dans la division économie sociale qui voulait simplement mentionner là, qu'elle pouvait assister également Gino et la corporation là, auprès des entreprises d'économie sociale quand on parle d'innovation et de développement. Donc, je ne sais pas si on a d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient... faire un commentaire ou autre. Puis, je vous rappelle aussi d'utiliser, dans le fond, le chat, là, si vous avez des actions dans le niveau du pôle économique que vous aimeriez entendre parler davantage au cours de la prochaine année, de nous les inscrire. Ça, on va prendre vraiment tout ça en note. On veut vraiment, dans le fond, là, répondre, le faire en collaboration avec la population et les partenaires pour avoir des sujets qui vous touchent. Donc, n'hésitez pas à les écrire là, dans le chat ou sinon, encore, là, à me contacter par la suite de l'événement. Ça me fera plaisir de prendre tout ça en note. Donc, si il n'y a pas d'autres questions. Nous allons continuer. Je vais faire mon partage d'écran avec le prochain pôle. Et Josiane, je te cède la parole. Oui, donc on poursuit avec le pôle environnement, gestion et aménagement du territoire. Donc, l'orientation associée, c'est pratiquer une gestion durable du territoire et de ses richesses. Donc, évidemment, on parle de protection de notre environnement. Ça passe par une gestion intégrée des paysages. Il y a eu le dépôt du rapport en juin dernier là, de la firme Marie-Josée Deschaines Architectes sur l'analyse de la réglementation d'urbanisme et qui proposait des outils de gestion. La prochaine étape, c'est un mandat qui a été confié à la Commission consultative de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des changements climatiques qui doit en prendre connaissance et faire des recommandations au Conseil. Ça devra avoir lieu en 2021 ou 2022, puis en fait des conseils qui vont être pour 2021-2022 et il y a eu une rencontre d'ailleurs qui a eu lieu lundi dernier à cet effet. On ne peut passer outre sans parler de l'implantation d'un parc régional éclaté, donc un projet qui remonte à plusieurs années et la création d'un comité interministériel a permis de nombreuses avancées, dont l'adoption du règlement là, constituant le parc régional qui est prévu pour 2021. J'aimerais faire un petit rappel de l'objectif du parc régional. C'est qu'actuellement, on observe là, une multiplication des activités et des nombreux conflits d'usage sur les terres publiques. Donc, le parc régional vise à harmoniser les usages, à maintenir l'accessibilité pour la population et en préservant notre milieu, notre environnement. Donc voilà, pour ce qui est du projet Terre à foin qui comme objectif d'optimiser la productivité des terres agricoles et de réduire les coûts d'importation du foin, il y a eu une diffusion là, d'une bande dessinée qui avait pour but de sensibiliser les 230 propriétaires de terres qui a mené ou qui est en voie de mener 6 ententes officielles pour l'utilisation de terres. Donc, c'est super positif. On voit déjà les retombées. Également, si on passe à la prochaine diapositive, au niveau de l'érosion et de la lutte au changement climatique, il est à noter qu'il y a eu l'embauche par la municipalité des îles là, d'une ressource permanente qui est dédiée spécifiquement à l'enjeu des changements climatiques et de la protection des berges, ce qui m'amène d'ailleurs à vous inviter à écouter la vidéo de Félix-Antoine Langlois qui va nous parler un petit peu de son mandat et de la mission de la municipalité sur cet enjeu.
La municipalité des Îles s'est dotée d'un conseiller en adaptation au changement climatique parce que il y avait les problématiques d'érosion aux îles sont de plus en plus intenses et récurrentes. Et il y avait des grands projets de mesures de protection contre l'érosion côtière qui s'en viennent et qui sont en cours de réalisation aux îles, dont le projet à la Grave, puis le futur projet pour les falaises de Cap-Aux-Meules. Donc, il y avait besoin d'une ressource dédiée pour coordonner ces projets-là d'envergure. Mais c'est aussi le souhait de la municipalité de se doter d'un plan d'adaptation au changement climatique. Aux îles, l'érosion, la submersion côtière, on en entend beaucoup parler, puis c'est ce qu'on met de l'avant en adaptation au changement climatique, mais il y a d'autres sujets qui sont prioritaires ou qui peuvent être pris en compte, c'est-à-dire la provenance de notre énergie, l'approvisionnement en eau potable, la préservation de l'habitat et de la biodiversité, la protection des biens publics puis de la sécurité des gens, l'approvisionnement maritime, les programmes de reboisement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut aussi prendre en compte pour faire une planification plus globale d'adaptation au changement climatique. Le rôle du conseiller en adaptation au changement climatique à la municipalité, c'est de coordonner plusieurs activités, dont des études techniques, d'accompagnement avec des consultants qui font des plans et devis pour différents ouvrages, différents projets. Mais c'est aussi de faire de la consultation de différents organismes qui œuvrent dans le même domaine aux îles, dont Attention Fragile, le Comité ZIP, le CERMIM, pour créer des nouveaux projets sur le territoire. Un autre mandat, c'est de faire de la consultation citoyenne, d'aller voir les citoyens pour les accompagner, soit dans leurs mesures de protection côtière, mais aussi dans leurs questionnements ou dans leurs projets d'adaptation au changement climatique. En travaillant avec les différents services, comme l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'ingénierie, les services techniques et les citoyens, ça nous aide à mieux nous outiller par rapport aux défis que les îles de la Madeleine auront à surmonter dans le futur. Rebonjour. Donc, je veux d'ailleurs rappeler que la commission permanente sur l'érosion des berges avait priorisé 6 sites dans la lutte contre l'érosion et il y a eu des avancées là, au niveau de 2 sites, dont celui de la Grave et à la falaise du centre-ville de Cap-aux-Meules. Il y a eu en fait la signature là, de 2 protocoles d'entente avec le gouvernement du Québec qui a été faite à l'été 2020 pour la réalisation des travaux et c'est d'ailleurs une enveloppe là, de 7 millions. Donc, voilà. Sinon, il y a évidemment la poursuite des actions de restauration du nerf par les organismes en environnement, soit Attention Fragile, Comité ZIP. C'est toujours des efforts qui sont faits de façon constante et qui sont nécessaires. Voilà. On va parler maintenant de gestion des matières résiduelles, mais cette fois-ci d'un point de vue environnemental. Donc, il y a un rapport qui a été conçu là, par la Commission consultative de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme là, sur l'utilisation des produits de plastique à usage unique. C'est un rapport que vous pouvez consulter sur le site Internet de la municipalité. En fait, ça fait des recommandations, dont la possible interdiction là, de distribuer des sacs de plastique dans les différents magasins ou marchés d'alimentation. C'est une réglementation qui pourrait être mise en place là, à partir de 2021. Il y a une entente qui a été signée dans le cadre des travaux du comité interministériel concernant les problématiques de gestion des matières résiduelles aux îles. Donc, la phase 1, c'est de se départir des résidus de bois de construction et de rénovation sur le site du CGMR. On parle là, de 10 000 tonnes de déchets, de résidus, en fait, de bois et de construction. C'est une enveloppe de près de 5 millions qui a été octroyée par le gouvernement pour ce projet. Voilà, donc on va terminer avec l'énergie. Bonne nouvelle, le service conseil qui est coordonné par Jean-Michel Leblanc à la communauté maritime a eu une grande augmentation de citoyens qui ont été accompagnés comparativement en 2019. Donc, on parle de 240 citoyens et de 8 institutions commerce et industrie qui ont été accompagnés. Il y a eu l'adoption du deuxième plan d'action de la stratégie énergétique territoriale qui est jusqu'en 2023 et préalablement
à l'adoption de ce plan-là, il y a eu des consultations publiques et il y a eu la publication là, de la mise à jour quinquennale du bilan énergétique de l'archipel et du bilan de réduction des gaz à effet de serre de la communauté maritime qui a été faite avec le CERMIM. Si vous êtes passé en fait, vers la grosse île, impossible de manquer nos deux éoliennes là, qui vont rentrer en fonction de façon en fait, de prochainement, qui va produire jusqu'à 8 mégawatts d'énergie supplémentaire dans le fond, dans le parc éolien de la Dune du Nord. Également, il y a le projet pilote là, Renault Climat qui vise une transition de, dans le fond, des combustibles vers l'électricité par Hydro-Québec qui a accompagné cette année une vingtaine de personnes. Donc, c'est un projet là, qui va prendre de plus en plus d'expansion au fil des que les années vont avancer pour finalement arriver à notre objectif qui est d'avoir plus de sources d'énergie durable sur l'archipel. Donc voilà. Et d'ailleurs, en ce sens, il y a les consultations publiques en fait sur la transition énergétique aux îles qui ont été faites par Hydro-Québec qui se sont terminées la semaine dernière, je crois. Donc j'espère que vous avez pu vous exprimer à cet effet parce que c'est un dossier également là, qui est important pour les îles. Donc on évalue les différentes sources potentielles d'énergie durable qui pourraient être instaurées dans les années à venir. C'est ce qui termine le pôle environnement. Donc, je ne sais pas si on a des questions. Oui, on a Caroline Duchesne qui voudrait intervenir. Caroline, je t'invite à activer ton micro. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oh. Caroline, est-ce que elle est capable d'activer son micro? Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? J'ai vu que ça a fonctionné, là, le micro s'était activé, mais je ne sais pas si ça fonctionne ou non. Ah, peut-être essayer la... Oh, Caroline? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, vous m'entendez, là? Oui. Bon. C'était peut-être pour faire un ajout, parce que la municipalité s'est impliquée dans le projet Sauvé et a acquis des voitures électriques. Je pense que c'est important de le mentionner. Il y a également le CERMIM qui a accueilli un éco-leader pour l'accompagnement d'entreprises pour des gestes plus éco-responsables et de technologie propre. Peut-être que le poste est actuellement vacant, mais il y a sûrement des choses qui ont été faites et qui vont se faire dans l'avenir parce que ce programme-là, il reste encore 3 ans. Fait que je trouvais que c'était important de l'intégrer là, à votre bilan. Oui, bien, à mentionner aussi là, que ce n'est pas la totalité là, des actions qui sont présentées par Josiane. Là. Comme Josiane le disait au début, là, c'est pas, ça ne reflète pas la totalité de ce qui a été fait là, cette année dans le cadre du projet de territoire. C'est un peu plus ce qui nous a marqué ou ce qu'on souhaitait peut-être mettre un peu plus de l'avant, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des actions qui ont été réalisées là, qui étaient moins ou plus ou moins importantes ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment... Il faudrait voir dans le tableau, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais probablement aussi que ça s'y retrouve. Merci. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste m'assurer que je n'en oublie pas. Sinon, on va continuer. Ah, je pensais que tu étais partie sur une lancée. Peut-être juste une suggestion pour une meilleure compréhension de ceux et celles qui assistent. Lorsque quelqu'un prend la parole, ce serait intéressant parce qu'on voit les noms, mais on ne sait pas nécessairement quelle organisation ils représentent ou ils sont issus de quelle organisation ou si c'est un citoyen, une citoyenne là, qui assiste à la rencontre. Donc, il y a une question aussi. C'est juste pour la meilleure compréhension là, des différents intervenants qui parlent. Donc, c'est une suggestion que je fais à ceux et celles qui prendront éventuellement la parole. Effectivement. C'est une bonne suggestion, j'entends. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais repartager mon écran. Ici. Et laisser la parole à Josiane.
Oui, donc on va enchaîner avec le pôle société et culture. Donc, l'orientation reliée crée un milieu de vie enrichissant et accueillant. On va débuter avec ce qui est des sports, loisirs et la vie communautaire. Il y a eu la mise en place là, d'une équipe d'animation qui a pour mandat d'animer le milieu à même les infrastructures municipales. En fait, c'est qu'on compte maintenant 5 animateurs. Là, il y a eu 2 ajouts, soit un animateur pour la vie communautaire et pour les sports et loisirs à l'intérieur du centre multisport Desjardins. Donc, ce qui amène là, à une structuration et à une... en fait, à ce que l'équipe soit complète. Donc, voilà. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'à travers leurs fonctions, il y a vraiment un souci qui est fait là, pour les clientèles vulnérables. Et d'ailleurs, ces animateurs-là ont pour mandat d'accompagner les initiatives qui émergent de la communauté. Aussi, il y a l'élaboration là, d'un plan directeur des installations et des équipements récréatifs qui va guider les interventions pour les 5 prochaines années qui va être adopté au début 2021. Les observations générales qui sont faites là, et les recommandations sont effectuées selon 3 aspects, donc la sécurité, l'accessibilité et l'attractivité. Et comme Laura l'a mentionné, une nouvelle action qui est importante, c'est le projet de développement d'un circuit cyclopédestre qui fait, dans le fond, qui fait partie de la planification stratégique municipale. Donc, dans le fond, l'objectif, c'est de compléter la route verte et d'aménager différents circuits sécuritaires à travers les villages. On a fait l'embauche d'un chargé de projet qui va proposer là, divers tracés. Voilà. En ce qui a trait à l'éducation, ça me semble de très bonnes nouvelles. Donc, au Cégep, on a une augmentation de 11 élèves pour le campus des Îles. Le taux de rétention avec la polyvalente est de 97 % lorsque le programme est offert. Quand j'ai vu ces données-là, en fait, moi, ça m'a grandement surpris. C'est très, très positif. Donc, il y a aussi le Cégep qui a eu le lauréat là, du concours de recyclage de piles, ce qui a mené à l'obtention d'une bourse de 1 000 qui va être investie dans le potager pédagogique. Si on parle un petit peu de ce concours-là, là, c'est une activité qui permet de sensibiliser la communauté à l'importance du recyclage et qui offre aussi là, une possibilité aux jeunes de discuter des habitudes de consommation là, éco-responsables. Donc, ça va dans ça touche aussi un petit peu là, notre mission environnementale. Et au niveau du groupe Persévérance scolaire, c'est 18 projets qui représentent plus de 2500 participants. On pense notamment là, au projet de mentorat Madlibus, un projet de culture scientifique. Donc voilà, si je reviens aussi là, au Cégep, je voulais parler de l'entente de mobilité avec le Cégep de Maisonneuve. C'est une entente qui est toujours en cours. C'est sûr que les 4 étudiants qui étaient venus à l'hiver là, ont dû retourner chez eux avec les mesures qui ont été imposées avec la pandémie. Cet automne, le Cégep a décidé de ne pas prendre de nouveaux élèves considérant la situation, mais dès que possible, c'est un projet qui va reprendre vie. Et maintenant, toujours dans l'éducation, grosse nouvelle aussi, il y a eu l'entrée en vigueur là, de la loi 40 qui donne une nouvelle gouvernance, dans le fond, pour notre institution scolaire, donc qui s'appelle dorénavant le Centre de services scolaires des Îles. Voilà, ça a fait un petit changement au niveau de la constitution du CA. Donc, on parle de 5 parents, 5 employés, 5 membres de la communauté et 1 membre du personnel qui est non-votant. C'est 1153 élèves qui sont inscrits au secteur des jeunes et 125 en formation générale et professionnelle. Également, il y a la maternelle 4-5 ans qui est offerte à temps plein à Grande Entrée et la maternelle 4 ans qui est offerte à temps plein à Fatima. Pour ce qui est de la santé, autre chiffre qui, moi, m'a agréablement surprise, là, 85 % de la population est desservie par un médecin de famille. C'est, euh,
C'est énorme et c'est de bonnes nouvelles. Également, il y a le développement là, et des révisions de l'offre de services pour certaines clientèles, dont les services en soins palliatifs. Il y a aussi la révision de l'offre de services pour les programmes qui sont en lien avec la santé mentale. Et il y a l'implantation de programmes québécois pour les soins bucco-dentaires qui ont été faits en CHSLD. Aussi, il y a des projets de rénovation qui sont en cours pour les points de service de l'Est de l'île et de l'île d'Entrée. Et je crois que c'est important de terminer là, le volet santé en soulevant toute la réorganisation des services, le réaménagement des espaces, le recrutement intensif de personnel, puis toute la concertation qui a été faite avec les partenaires du milieu quand la pandémie a émergé. Donc, définitivement, on a un système de santé aux îles qui est réactif, qui est proactif. Puis je pense qu'on peut être fiers des efforts qui ont été mis en place à ce niveau. On a été chanceux, mais ceci étant dit, je crois qu'on était prêts. Au niveau de deux grands enjeux de territoire, soit les garderies et le logement, on est heureux aujourd'hui de pouvoir dire qu'il y a des avancées, qu'il y a des bonnes nouvelles. Et je vais inviter notre directeur général Serge Rochon à vous en parler plus longuement dans la prochaine vidéo. On le sait, il y a une crise de logement sur le territoire des îles et la municipalité des îles a décidé d'agir. Il y a trois initiatives qui seront lancées dans les prochains mois sur le territoire pour faire face à la crise du logement. La première initiative, c'est qu'on a obtenu un projet de loi de l'Assemblée nationale. La municipalité veut maintenant offrir des crédits de taxes à des entreprises privées pour créer des logements locatifs à l'année. Et le projet lève en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. On pense que dès 2021, il va y avoir une trentaine de nouveaux logements sur le territoire des îles grâce à cette initiative. Et ensuite, il y a d'autres initiatives qui vont suivre. Parmi ces initiatives, il y a deux mesures que je veux attirer votre attention. La première mesure qu'on veut mettre en place, c'est d'offrir à la disposition d'entrepreneurs privés sur le territoire des îles des terrains qui sont propriété de la municipalité. On veut offrir dans un appel d'offres ces terrains et la condition qu'on va demander à ces promoteurs, c'est de créer des logements sur ces terrains, des logements locatifs à l'année. Alors ça va être lancé sous peu. Troisième initiative qui est vraiment importante à notre avis. Le conseil municipal vient de mettre à la disposition d'un organisme. Ça peut être une coopérative, ça peut être un OBNL, la somme de 50 000 $ pour permettre à cet organisme de voir le jour, d'acheter des maisons sur le territoire des îles et de les mettre en location pour des résidents des îles à l'année. Alors ça, c'est une initiative nouvelle. On va avoir besoin de la communauté pour concrétiser cette action-là, mais on pense que ça pourrait être porteur également. Il y a un manque de place évident dans le milieu des garderies aux îles, c'est bien connu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des initiatives qui se déploient en ce moment sur le territoire des îles. Le premier projet qui va voir le jour, c'est la garderie Les Élimes, le projet des grands employeurs. C'est une garderie non subventionnée, 26 places dans l'ancienne aréna de Fatima qui va commencer dès le mois de février. Pourquoi les grands employeurs ont décidé de s'unir? Mais c'est justement en raison du manque de place, mais surtout par leur difficulté de maintenir des services publics. Les cinq employeurs en question, c'est CTMA, le CIS, la municipalité, la commission scolaire et Desjardins. Et prenons l'exemple du CIS. Le CIS était en recrutement à l'extérieur des îles pour des infirmières, du personnel. Et la première question qu'on leur posait, est-ce qu'il y a des places en garderie aux îles?
Et la question, c'était non. Alors, les grands employeurs ont décidé d'agir pour provoquer des choses et en s'unissant, ils ont obtenu le permis du ministère de la Famille pour ce 26 places. Leur perspective, c'est de faire ce projet durant 3 ans et espérer que les 26 places vont s'intégrer dans le réseau public. Il y a d'ailleurs une très bonne collaboration sur ce projet avec les 2 CPE qui sont intéressés à voir les 26 places se transformer en places subventionnées. Maintenant, il y a d'autres initiatives qui s'en viennent. Le CPE Laramie va concrétiser en 2021 son 80 places, un nouveau projet de construction, un agrandissement. Alors, si on l'ajoute à la garderie Les Élines, c'est déjà une centaine de places de plus. Et il y a une autre initiative sur laquelle on travaille dans l'Est des îles avec Camille pour 21 places supplémentaires dans la partie Grosse-Île, Grande-Entrée. Alors, vous voyez, il y a des initiatives concrètes qui voient le jour. Et c'est ça la bonne nouvelle, parce que face à la pénurie de places dans le domaine des garderies, les partenaires ont décidé de travailler ensemble, d'agir et de concrétiser des projets très concrets. Bonjour. Je dois avouer là, que la première fois que j'ai vu cette vidéo, là, j'avais des frissons. Je trouve ça vraiment important de voir qu'il y a des solutions qui sont mises en place sur ces enjeux de territoire qui sont tellement importants. D'ailleurs, avant qu'on tombe dans le prochain sujet, il y a Mme Henderson qui nous a écrit là, pour nous dire qu'il y a aussi une maternelle 4 ans qui est offerte là, à l'école de Grosse-Île. Donc, on tenait à le souligner et on est désolé de ne pas l'avoir inscrit au PowerPoint. Donc, voilà. Les garderies et le logement mènent en fait au prochain sujet qui est la stratégie d'attraction des personnes. Je crois que vous le savez tous que c'est un projet que j'ai tous les projets à cœur, mais spécifiquement, lui, j'ai pu y contribuer un petit peu plus dans la dernière année. Donc, quand on parle d'enjeux de garderie, de logement, c'est sûr que ça a un impact direct sur la stratégie d'attraction des personnes. Il y a eu un moment temporaire là, où on a dû arrêter les activités dues à la pandémie. Mais maintenant qu'il y a une nouvelle équipe en place, c'est relancé. Et je vais inviter Alexandre Bessette, qui a pris le poste de conseiller en marketing territorial, à vous faire un retour sur ce qui a été fait l'année dernière, mais aussi à vous parler des nouvelles initiatives de la nouvelle équipe. Donc, bon visionnement. Après un ralentissement forcé par la pandémie, on est très heureux de relancer les actions de la stratégie de la personne pour notamment répondre aux besoins de main-d'œuvre, essayer d'attirer 100 personnes sur l'archipel, puis aussi de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. On compte notamment sur l'arrivée de Rebecca Mews-Boudreau dans le nouveau rôle d'agent de mobilisation. Son rôle va être en fait de favoriser l'intégration des gens, puis aussi d'agrandir nos horizons en rejoignant un public plus large. 2020 est une année particulière, mais la situation actuelle amène quand même son lot d'opportunités. Il y a un grand engouement en ce moment des gens en ville de venir en région. Donc, notre défi, c'est plus nécessairement de les attirer en région, mais bien de les attirer aux îles. Pour faire un petit retour sur 2020, on a commencé l'année en force en étant la destination vedette à Montréal en lumière. L'événement nous a amené à cumuler plus de 1200 adresses courriels de gens intéressés à venir s'établir aux îles. Autre mention importante, c'était la tenue d'un premier événement 100% virtuel, un séjour exploratoire en collaboration avec Place aux jeunes. C'était dans le domaine de la santé et des services sociaux. Donc, on a accueilli virtuellement 17 personnes qui étaient intéressées à venir s'établir aux îles et qui étaient intéressées à travailler dans ces domaines-là. 2 activités d'accueil et intégration ont aussi eu lieu au cours des derniers mois. La première a eu lieu au mois d'octobre. En fait, le but, c'était de récolter des canneberges, puis ensuite d'avoir un atelier virtuel, puis de les cuisiner. Puis ensuite, au mois de novembre, on avait un rallye photo pour permettre aux nouveaux arrivants de découvrir les îles. Puis l'objectif de ces activités-là, c'est vraiment de favoriser l'intégration puis d'échanger avec les nouveaux arrivants. Finalement, face à l'impossibilité de tenir la croisière de l'emploi qui devait avoir lieu cette année, l'équipe travaille très fort pour trouver une alternative
aussi intéressante et aussi grandiose, mais de façon virtuelle, parce que le besoin d'emploi est toujours présent aux îles. Afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre et de poursuivre le virage numérique, on a mis en place au cours de la dernière année un portail de l'emploi. On compte présentement 50 employeurs du milieu, puis en fait, le portail sert à répondre aux besoins de main-d'œuvre. On a aussi mis en place une nouvelle plateforme, une page LinkedIn, pour pallier aussi aux besoins de main-d'œuvre. Pour les employeurs qui ne sont pas encore abonnés à notre page LinkedIn ou qui n'ont pas de profil sur notre portail de l'emploi, n'hésitez pas à contacter ma collègue Annabelle Jonf, qui est agente de promotion dans l'équipe d'attraction de la personne. Pour terminer, toute l'équipe de la stratégie de l'attraction de la personne est motivée et prête à bâtir ensemble l'avenir des îles. Bonjour. Puis d'ailleurs, à la suite du séjour exploratoire en santé et services sociaux, Rebecca me disait là, qu'il y a un déménagement qui est planifié aux îles là, dans les prochaines semaines. Donc, définitivement, c'est des actions qui ont leurs effets. On va poursuivre maintenant avec les actions qui sont faites pour aider à bonifier la qualité de vie des personnes âgées et au niveau du développement social. Donc, le nouveau programme de remboursement de taxes aux aînés au 30 septembre avait en fait aidé environ 333 familles pour un total de 166 000 $ qui a été offert. Le programme de remboursement de taxes pour les logements intergénérationnel a aussi aidé 34 familles pour près de 14 000 $ de subventions. Il y a aussi une mobilisation collective qui a été faite là, sur les enjeux de sécurité et d'autonomie alimentaire. Je pense qu'encore là, la COVID est venue amplifier ces mouvements qui étaient déjà instaurés. Ce qui a mené à la création du collectif Nourrir notre monde, qui est un projet initié par le développement social. Et dernièrement, on a décidé avec les partenaires et l'équipe de développement social que la coordination allait être prise par la communauté maritime. C'est d'ailleurs Marie-Christine Leblanc qui va faire la coordination du projet. Donc, ça va être un beau travail d'équipe et vous allez pouvoir le voir prendre forme là, dans les prochains mois. Aussi, évidemment, il y a la poursuite de la mobilisation du soutien et de l'accompagnement aux actions structurantes en développement social qui est faite par l'équipe de développement social. On pense au jardin collectif, à l'intégration des enfants aux besoins particuliers dans les camps de jour, à la popote roulante pour les aînés là, dans l'est des îles. Il y a eu aussi la création du fonds d'aide aux initiatives sociales qui est d'un montant en fait de 100 000 $. Il y a 50 000 qui provient du réseau des partenaires en développement social et 50 000 du député des îles à l'Assemblée nationale. Ça a été un fonds qui a été mis en place. C'est un fonds d'urgence pour soutenir les organismes par rapport à leurs frais supplémentaires là, liés à la COVID et qui voudraient mettre en place aussi des initiatives pour les clientèles les plus vulnérables. Donc, en octobre, c'était 40 000 $ qui avaient été versés. C'est ce qui fait le tour des actions qu'on a soulevées ou ciblées pour le pôle culture et société. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent soit poser des questions ou ajouter des choses sur ce pôle. Je vais laisser la parole à Marie-Christine. Oui, donc dans le petit module question, nous avons Geneviève Joyal de Collégière qui tient à souligner, et avec raison, que la première cohorte d'éducatrices en l'enfance là, va compléter dans le fond leur formation en février 2021 et qu'il y a une deuxième cohorte qui va voir le jour début 2021. Donc c'est vraiment là, un super bel exemple en fait là, d'adaptation des programmes, si je peux dire ça ainsi, là, pour répondre aux besoins de la communauté, puisqu'on le sait avec la garderie Les Élimes, avec le projet du CPE La Ramée, celui de l'Est ou encore la création de milieux familiaux, on va avoir besoin d'éducatrices qualifiées, même si les CPE et en droit des ratios d'éducatrices non qualifiées restent quand même là, que ça reflète bien, je trouve, le dynamisme du milieu et de nos institutions ici à ce niveau-là. Oui, il y a Caroline aussi là, qui, je ne sais pas, Caroline, si tu veux l'expliquer plutôt que je lise. Vu que tu es là. Oui, bien sûr. Le Bon Gouffret des Îles, en collaboration avec la communauté maritime, avec la SADC, Emploi Québec et Place aux Jeunes, on a lancé le 12 mars dernier, malheureusement veille de pandémie, 14 capsules d'emploi
valorisant les différents emplois du secteur bioalimentaire, mais aussi le mode de vie aux îles, la qualité de vie pour un travail à l'année dans notre bel archipel. Alors, ça a été lancé, c'est disponible sur le site web du Bon-Coufret, sur Facebook et bientôt à la municipalité. Oui, très belle capsule d'ailleurs. Je vous félicite, c'était vraiment là, très bien fait. Dans le module question, on a également François Mius qui mentionne le projet de récupération de denrées alimentaires dans les marchés d'alimentation qui est porté par Entraide communautaire et soutenu par le CERMIM qui sera en place, là, on l'espère, en 2021. Ça reste un gros projet là, qui a été travaillé et collaboré et qui fait aussi partie des projets qui vont être dans le collectif Nourrir notre monde que Josiane parlait. Donc, effectivement, là, ça va être un autre beau projet qui va voir le jour, on l'espère, en 2021. Je rappelle, si vous avez des questions, de lever la main au niveau des spectateurs et d'utiliser, là, comme vous le faites déjà très bien d'ailleurs, là, le chat là, pour commenter, questionner ou encore soulever des actions dont vous aimeriez entendre parler en 2021 dans le cadre de nos rendez-vous. Sinon, si on n'a pas d'autres questions ou commentaires. Oui? Marie-Christine, si tu me permets d'ajouter, au cours, notre directeur général Serge Rochon faisait état là, de deux projets importants pour la communauté des îles puis pour la communauté maritime des îles, que sont le projet La garderie des Élimes et celui des différents programmes qu'on met en place pour le logement locatif à l'année. Évidemment, 2020 aura été marquant parce qu'il y a eu le projet de loi qui a été adopté puis qui nous permet évidemment d'offrir différents programmes pour ce qui est du logement. On pense être en mesure d'ouvrir très, très, très bientôt la garderie des Élimes, mais ce n'est pas la fin en soi. En fait, c'est ça l'essence de mon message. C'est à partir de 2021 et 2022, il y aura d'autres initiatives, particulièrement en logement, qui vont être portées par la communauté maritime, qui va être rendue disponible. Et on espère être en mesure, à très, très court terme, d'inverser le déficit en logement locatif à l'année. On sait que ce qui a été mis en place ne règle pas tout. Évidemment, on part d'un déficit quand même assez important. On avait quoi, une centaine de logements, un manque d'une centaine de logements disponibles à l'année. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès l'annonce de la mise en place des différentes mesures financières, il y a eu une réaction du milieu. Donc, il y a différents promoteurs immobiliers qui nous ont présenté et déposé des projets. Certains sont actuellement en construction, d'autres sont à venir. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer d'innover et de trouver des incitatifs qui vont être créatifs pour continuer cette lancée positive là. Puis pour ce qui est des garderies, bon, évidemment, comme Serge Rochon faisait état, il y a bon, le nombre de places, 80 places là, au niveau de la Ramée, la garderie Les Élimes. Et là, notre prochain défi, là, c'est la vingtaine de places pour la communauté anglophone et la communauté de Grande Entrée. Donc, avec c'est l'ensemble de ces projets-là, on pourra à tout le moins stabiliser une situation qui était critique il y a quelques mois et même il y a quelques années. Donc, la stabiliser et être en mesure de prendre le dessus là, de façon positive pour les prochaines années. Donc, tout ça fait un wrap-up, si on veut, avec la stratégie d'attraction des personnes. Je pense qu'il faut profiter de la COVID, de la situation de la COVID. Il y a de plus en plus de gens, de citoyens du Québec qui souhaitent quitter les grands centres et se diriger vers des communautés plus rurales, des communautés plus éloignées des grands centres urbains parce qu'il y a moins de cas de COVID, mais également la vie en milieu urbain, le stress lié à toutes sortes d'événements amène une prise de conscience chez beaucoup de citoyens du Québec. Et donc, nous, comme communauté, il faut profiter de ça pour continuer de poursuivre nos objectifs d'augmentation de la population résidente à l'année, mais également pour combler le nombre d'emplois qui sont disponibles. Josiane en faisait état tout à l'heure. Il y a toujours un manque à gagner au niveau des employés disponibles versus les emplois disponibles. Donc, c'est important que nos efforts se poursuivent dans ce secteur-là. Tout à fait. Donc, si nous n'avons pas d'autres questions, on va continuer la présentation avec le dernier pôle sur la gouvernance. Exactement. Donc, dernier pôle, gouvernance. Selon l'orientation, se doter d'une gouvernance ouverte et transparente. Au niveau, pour débuter, là, du découpage électoral.
Donc, je rappelle l'enjeu qui est une représentation équitable des différentes parties du territoire au sein du conseil municipal. Il y a eu la nomination spéciale de deux commissaires qui ont pour mandat de consulter la population et de proposer une solution qui respecte les exigences là, du directeur général des élections du Québec. C'était un rapport qui était supposé être mis là, en juin 2021, en fait, qui à ce jour est supposé être mis en juin 2021. Mais comme les consultations publiques ont été freinées un petit peu par la COVID, il y a un projet de loi qui a été déposé, un projet de loi privé là, qui imposerait dans le fond un report la prolongation des délais jusqu'aux élections de 2025. Voilà, ce qui est de la réforme de la gouvernance municipale. En fait, c'est plutôt la poursuite des travaux des différentes commissions consultatives. J'en ai parlé un petit peu là, au cours de toute la présentation. Donc, on se rappelle que l'objectif, c'est de donner place à la parole des citoyens et aux entreprises pour ce qui est de la commission de développement économique. Et ça a été mandaté par le conseil pour qu'on puisse déposer des recommandations à l'intérieur de 4 commissions différentes. Donc, on a loisirs, culture et vie communautaire. Il y a eu 4 rencontres qui ont eu lieu cette année. Travaux publics et sécurité publique, c'est 2 rencontres qui ont eu lieu cette année. Celle de développement économique, il y en a eu une et il y en aura une autre à venir au début de l'année 2021. Et celle de l'environnement, l'aménagement du territoire, d'urbanisme et des changements climatiques, c'est 3 rencontres qui ont eu lieu cette année. Vous pouvez trouver là, les comptes rendus des différentes rencontres qui ont lieu, ainsi que les rapports sur le site de la municipalité. Et pour terminer, quand on parle de notre reconnaissance des particularités insulaires, je sais que Laurent en a parlé là, en début de rencontre et je vais revenir là-dessus. Donc, le décret qui a été adopté en 2016 permet de reconnaître les contraintes qui sont reliées à l'insularité. Même s'il y a des changements de gouvernement, c'est important de faire des représentations pour qu'on puisse conserver l'application du décret, de ce que nous permet le décret. Donc, il y a eu de nombreuses représentations d'ailleurs cette année qui ont été faites auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour solliciter justement l'application de ce décret. Et c'est d'ailleurs un des objectifs là, du comité de la conférence administrative régionale. On a pu voir dans la dernière année là, que ça a permis à la communauté maritime de revendiquer une intervention spéciale par rapport à l'érosion côtière, également dans le cadre d'une consultation du gouvernement là, pour son plan d'action communautaire. La communauté maritime a revendiqué la bonification du seuil plancher de financement pour les organismes des îles qui étaient liés au surcoût de la vie insulaire. On a aussi là, pu faire une gestion qui a été adaptée durant la pandémie avec de nombreux efforts, donc avoir les données distinctes pour la région des îles de la Madeleine qui n'est pas collée directement évidemment sur la Gaspésie. On a réussi aussi à faire changer notre code d'alerte quand le moment est venu et qu'on a dû tomber au jaune parce que les cas étaient moins nombreux. Donc on réitère là, que c'est vraiment là, des représentations qui doivent être faites de façon constante au fil des années et au fil des changements gouvernementaux. Donc, c'est ce qui termine en fait la présentation de Josiane. Okay. J'aimerais le rajouter face au pôle de société culture. Il y avait Roméo Deraspe là, qui avait ajouté, dont la question m'avait échappé, pardon, qui disait qu'au niveau de la santé, une entreprise collective partenaire du milieu en service d'aide, l'essentiel offre des services de soutien à plus de 240 personnes et emplois pour. Sans préposer d'aide à domicile sur le territoire, dont 50 employés ont assuré le maintien de la prestation de service selon le MSS, le ministère de la Santé et des... services sociaux. Oui, merci, Jonathan. Dès le début de la pandémie au mois de mars. Donc, je tenais quand même à le souligner, c'est important. Et voilà, donc je ne sais pas si d'autres personnes auraient des questions, peut-être aussi le plus d'ordre général. Cherson, il me semble qu'il n'y avait pas un commentaire. Oui, excusez, attendez.
Il y a Anne-Marie, attendez. Oui, Anne-Véronique qui demandait qu'est-ce qui s'était passé en culture cette année. Je vois qu'Anne-Marie y a répondu beaucoup de choses, beaucoup d'activités innovantes, de relais d'information et sur les divers programmes d'aide et de soutien. J'imagine aussi, là, Anne-Marie, si tu veux peut-être enchérir là, avec les, vos membres, j'imagine, tout au long de la pandémie, qui ont eux aussi dû s'adapter là, énormément avec le commerce en ligne et tout ça. Effectivement, ça a été une grosse année pour le secteur. Le secteur culturel a été un secteur durement touché, bien, comme tous les autres, bien sûr. Mais c'est ça, donc il y a eu beaucoup de questionnements, bien, beaucoup d'activités. D'ailleurs, sur le site d'Arimage, à la fin de l'été, on a présenté un bilan des activités estivales, là, que, tout ce que c'est qui a été mis en place, que ce soit dans les activités qui ont été mises en place par la municipalité, par le Vieux Treuil. En fait, je ne les nommerai pas toutes parce que je vais en oublier, c'est sûr. Là. Mais il y a eu vraiment beaucoup d'actions, puis beaucoup d'ajustements, évidemment. Puis, ben, c'est ça, différents. Chez Arimage comme tel, on a fait aussi des salons virtuels. On a réuni les gens du milieu culturel pour voir comment on pouvait les aider, quels étaient les enjeux auxquels ils faisaient face. On a vraiment essayé d'être proactif dans tout ça. Puis, j'ajouterais aussi, on a cet automne, ben, tout dernièrement, réalisé un forum numérique culturel Gaspésie-les-Îles. Donc, à partir des principaux enjeux, là, qui ont été nommés tout au long de l'année, entre autres la volonté des artistes, des artisans, de tout l'aspect de vente en ligne. Donc, je pense qu'il y a comme un défi là. Donc, on a essayé de les outiller le plus possible avec des conférences, des panélistes qui sont venus parler de leurs expériences et tout ça. Et aussi, tout le volet là, du numérique, l'appropriation du numérique, je vais dire, au niveau de la création. Donc, ça peut vraiment servir soit vraiment dans la création pure, même aussi au niveau de la diffusion ou des communications. Donc, c'est ça, le forum culturel, ça a été vraiment un gros morceau de notre année, de notre automne, je pourrais dire. Alors, voilà. Puis, ben, les autres initiatives que Josiane a mentionnées aussi, là, qui ont été faites plus au niveau collectif, là, par la municipalité, au niveau de l'équipe d'animation, vraiment qui a été mise, bonifiée, développée, etc. Alors, voilà, je résume très, très vite, là, mais il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses en art et en culture cette année. Merci beaucoup, Anne-Marie. Je vais laisser la parole à Josiane, qui voulait dire un mot également. Oui, bien, je voulais juste conclure là, l'état d'avancement des différentes actions en vous disant que je crois sincèrement qu'on peut être fier de l'immensité du travail qui a été fait cette année, malgré les ralentissements majeurs qui ont été imposés par la pandémie, les contraintes qu'on a eues. On est un milieu qui est réactif, qui est proactif, qui est capable de se serrer les coudes puis de se virer de bord, comme on dit, très rapidement. On l'a vu, puis on a, comme on dit, on a ciblé certaines actions. Puis Anne-Marie, c'est parfait que tu viennes bonifier parce qu'il y en a plein d'autres qui ont été faites. Et voilà, je pense, je voulais juste terminer en disant qu'on peut être fiers de notre territoire, on peut être fiers de ce qu'on fait, des acteurs qui y vivent, puis de notre capacité là, d'être solidaires dans les moments les plus difficiles. Donc voilà. Merci beaucoup, Josiane. Donc, je vois qu'il est déjà, il arrive 11 heures, on avait dit jusqu'à 11 heures, mais quand même, j'aimerais qu'on prenne le temps si jamais d'autres personnes ont des questions, veulent interagir, veulent souligner des actions dans leur secteur qui ont été faites, qui effectivement n'ont peut-être pas été mentionnées par Josiane, mais pas parce qu'ils sont moins importantes, mais juste par souci de synthétiser tout ce qui s'est fait dans la dernière année, effectivement. Ou même les citoyens qui auraient des commentaires ou des suggestions ou des interrogations face à différentes actions du projet de territoire ou à différents suivis qui ont été apportés là, par Josiane. N'hésitez pas, là, je pense qu'on est capable de demeurer en ligne encore quelques instants là, pour prendre chacune des questions. Ça nous fait plaisir de le faire. Oui. Donc, j'ai Noémie Bernier, qui est du pôle d'économie sociale de la Gaspésie-Île-la-Madeleine, qui tient à souligner l'apport de la Corporation d'aide à domicile en santé. C'est une aide qui est non négligeable, surtout considérant la situation particulière là, dans laquelle on a été plongé avec la pandémie, et notamment au niveau des personnes aînées. On sait que pour eux, ça a été probablement
plus difficile, même si on l'a tous vécu, mais d'être isolé, d'être privé là, souvent de leur réseau, de leurs petites activités quotidiennes, là, ça demeure une grosse adaptation pour eux. On a également là, des merci, je vous remercie, mais on a Gabrielle Landry, tiens, qui voudrait poser une question ou passer un commentaire. Alors, je t'invite à activer ton micro. Bonjour, je pense que mon micro est activé. Oui, on t'entend. Oui, merci. Je m'en voudrais de ne pas prendre quelques minutes là, pour vous parler à toutes vous autres. Là, parce que là, aujourd'hui, je commence à m'ennuyer, mais je suis vraiment ravie de ce qui se passe. Je trouve que je voulais vraiment prendre deux minutes pour dire à quel point c'est appréciable de la contribution que vous faites toutes au développement des Îles-de-la-Madeleine et au projet de territoire. On le voit d'année en année, là, 2013, ça fait quand même 7 ans, là, et que vous êtes là, assidus, que vous travaillez, qu'on est capable de travailler ensemble, c'est extrêmement précieux. Je pense que l'approche collective, c'est gage de réussite pour le développement de notre communauté, puis je pense que toute votre participation, c'est garant de l'avenir. Mais je voudrais aussi prendre 30 secondes, là, je ne vais pas prendre trop de temps, mais pour lever mon chapeau à l'équipe de développement du milieu qui a travaillé sans relâche, je le sais, les derniers mois, les dernières semaines, dans un contexte difficile, avec une toute nouvelle équipe là, qui est bien dynamique et qui met l'épaule à la roue, c'est quand même un travail colossal qu'ils ont fait les dernières années. Je voudrais le souligner. Puis, en passant, je veux faire un dernier petit commentaire. Tu sais, tantôt, Laura, tu disais le projet de territoire mis à jour est disponible, l'ancien est disponible, mais je me demandais pour le programme d'action, ce ne serait pas possible d'avoir un document qui intégrerait les deux versions pour que si quelqu'un veut consulter le projet de territoire 2013 puis le suivre jusqu'en 2025, qu'il puisse juste à même le programme d'action pouvoir voir les actions qui ont été réalisées, celles qui ont été mises de côté, c'est d'avoir juste un document synthèse au niveau du programme, mais non pas au niveau du forum là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, belle continuité. Merci beaucoup. C'est certainement quelque chose là, qu'on pourra faire dans les prochaines semaines, là, de jumeler dans un document effectivement les actions qui ont été, ou les noter peut-être celles en fait, les mettre plus en lumière, celles qui ont été ajoutées, puis à la fin du document, celles qui ont été retirées parce qu'ils étaient tout simplement complétés. Jonathan veut renchérir. Je vais la parole au prochain intervenant parce que je ne voudrais pas que ça change de sujet. Je pense que tous les membres du Forum des partenaires vont être d'accord avec moi pour te remercier, Gabriel, à notre tour là, de la contribution. Le projet de territoire, c'est beaucoup toi qui l'as porté au cours des dernières années. Oui, bien sûr, avec l'équipe de développement du milieu, l'ancienne et l'actuelle, avec les élus, avec l'ensemble des directeurs de la municipalité. Mais c'est le cœur du projet de territoire, c'est beaucoup toi et je m'en voudrais de ne pas te remercier pour toutes ces années et ta grande contribution à la réussite qu'est devenu Horizon 2025, le projet de territoire de la communauté des îles. Puis en terminant, Gabriel, juste te rappeler qu'on est toujours en attraction des personnes pour la main-d'œuvre, donc si jamais tu comptes sortir de ta retraite, n'hésite pas. Faire un petit retour. Merci beaucoup, Jonathan. Je le reçois, mais c'est un projet collectif, là, mais ça me touche beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, il y avait Sonny Cormier de la Chambre de commerce qui voulait prendre la parole. Oui, simplement, il y a beaucoup d'éléments qui ont été dit, mais je voulais juste souligner de nouveau que tout ça a été fait en grande partie pendant une période de pandémie. Le gros de notre travail a été pour nous à la Chambre et certains partenaires de soutenir les employeurs, puis pour d'autres partenaires de soutenir des individus qui où il y a eu des moments d'intensité variable. En début de pandémie, on savait pas vers quel mur on se dirigeait, puis on savait pas si les gens allaient avoir de quoi manger, donc fallait et si les entreprises allaient survivre, fallait naviguer là-dedans, tout en étant un peu inquiet pour nos proches à nous et nos familles à nous. Là. Donc, c'est quand même remarquable ce qui s'est fait aux îles. Puis ça démontre, je pense, la qualité du milieu qu'on a ici et la façon de travailler ensemble, tout ça piloté par la municipalité, le maire et l'équipe de développement. Mais je pense pour travailler avec d'autres régions, je pense que la capacité qu'on a de travailler ensemble, donc c'est important et très grande et une grande richesse qu'on a qu'il ne faut pas perdre. Voilà.
Effectivement. Merci beaucoup, Sonny. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole ou encore poser des questions? C'est le temps de le faire également. Je vois Véronique là, qui souligne le travail. Merci beaucoup. Effectivement, on a de quoi être fiers. Comme étant tout nouvellement arrivé à la municipalité, je peux vous dire que c'est des fois un peu... je dirais pas étourdissant, c'est pas vertigineux de voir tout le travail qui se fait dans l'équipe de développement du milieu, mais c'est un travail en continu là, qui est tout à fait, en tout cas certainement motivant, comme tout nouvel arrivé dans l'équipe. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, j'en vois une, oui, excusez, je vois Marinelle qui me lève la main, qui me ramène à l'ordre. Caroline Duchesne, qui, je me souviens, vous avez nommé là, votre... attendez un petit peu. Régime. Oui, exactement, pour le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Lesile. Donc, qui dit « Chapeau pour ce travail exemplaire, pardon, votre méthodologie pour cette démarche serait digne d'exportation. Un bel exemple à partager. Gros merci pour l'invitation et apprendre. » Effectivement, je vous invite à faire comme Caroline là, de consulter en fait le bilan complet là, du projet de territoire pour la dernière année qui est disponible sur le site de la municipalité. Dans le fond, le tableau d'action de ce que Josiane vous a présenté est disponible sur le site de la municipalité avec vraiment la colonne état d'avancement, donc qui fait vraiment toute la synthèse de ce qui s'est passé dans la dernière année. Donc, ça constitue vraiment un beau document à consulter pour les personnes qui s'intéressent au développement du milieu. Il y aurait Irène Lapierre qui, je crois, voudrait faire un commentaire. Je ne sais pas si vous voulez activer votre micro. Il faudrait lever la main, par contre, pour que ma collègue Nathalie puisse... oui. Donc, normalement, vous devriez être en mesure. Allez-y. Je suis vraiment émue de voir autant de gens qui travaillent pour nous, parce que moi, je suis une personne âgée et j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui aux îles de la Madeleine, mais que vous avez pu mettre tout ensemble et créer des partenariats et voir à ce que chaque domaine ait une attention et puisse continuer et se développer. Je suis tellement fière d'être aux îles de la Madeleine et avoir vous êtes tellement précieux et félicitations pour votre façon de travailler, votre façon de traiter tous les dossiers. Ça me renverse et on voit que vous êtes vivant. Merci beaucoup, Madame Lapierre. C'est vraiment apprécié. Et on est content de voir aussi que peu importe l'âge, on peut toujours s'adapter aux nouvelles technologies. Avec la pandémie, on n'a pas le choix pour garder des contacts. Souvent, le Zoom devient notre meilleur ami. Donc, voilà. Jonathan, je te laisserai la parole pour le mot de clôture s'il n'y a pas d'autres intervenants qui veulent ajouter commentaires ou questions. Puis n'hésitez pas non plus de toute façon à le faire là, tout au long de l'année là, à nous contacter à la mairie. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions. Donc, Jonathan, je te cède la parole. Je pense, pour reprendre les quelques mots de Mme Irène Lapierre, vivant, je dirais même toujours vivant et probablement les mots à retenir. Plus que jamais, notre communauté est vivante. On l'a vu avec l'état d'avancement du projet de territoire, tous les secteurs qui ont su s'adapter à la pandémie, qui ont su avancer, qui ont su se mobiliser autour d'objectifs communs. Et ça fait de nous une communauté qui est extrêmement vivante, qui est résiliente aussi et qui est capable de faire face à l'adversité, qui est capable de planifier et d'être en proactivité face à son développement actuel et futur. Et ça, bon, Josiane y faisait mention, quelques intervenants aussi l'ont fait, mais sachez que c'est une très grande source de fierté pour l'ensemble des équipes de la municipalité des Îles. Même chose du côté de mes collègues du conseil municipal, de pouvoir présenter des projets, de pouvoir se fixer des objectifs et sentir qu'on n'est pas seul, qu'on est appuyé, qu'il y a une communauté qui se mobilise. C'est extrêmement intéressant, c'est rafraîchissant.
réjouissant, mais surtout, ça donne de l'énergie, ça nous permet d'être positifs en regard de l'avenir. Évidemment, aujourd'hui, on ne dit pas que tout est parfait, on ne dit pas que tout est réglé, bien entendu. Oui, il reste encore quelques défis. Ils vont toujours en avoir des défis à surmonter. Il y aura des moments plus faciles que d'autres. Mais l'important, c'est qu'on conserve cette habitude de travailler ensemble, cette habitude de concertation. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord, toujours sur le même point de vue. Mais si on met au-dessus de chacune de nos organisations ou au-dessus de chaque individu l'intérêt commun, l'intérêt collectif qui doit primer, bien, c'est comme ça qu'on a réussi dans le passé. C'est comme ça qu'on réussit aujourd'hui et c'est comme ça qu'on va réussir dans le futur. Donc, je vous remercie d'abord les membres du Forum des partenaires, chaque membre d'être aussi assidu année après année, de cette année d'avoir répondu à l'appel virtuel. Merci aux nombreuses personnes qui, depuis 9h ce matin, assistent à ce compte rendu-là du Forum des partenaires. Donc, tout le long de la matinée, il y a eu autour de 100 personnes, en plus des membres du Forum des partenaires, là, qui ont resté connectés là, pour entendre ce que les différents intervenants avaient à dire. Donc, je pense qu'on peut collectivement se remercier. Remercier évidemment l'équipe de développement du milieu qui est pilotée par Josiane Paulos, là, qui a relevé le défi de maintenant. C'est une toute nouvelle équipe qui arrive dans un contexte particulier lié à la pandémie, mais aussi avec des moments importants comme la tenue du Forum des partenaires. Donc, vous avez relevé ce défi-là avec brio. Donc, merci aussi à l'équipe de L'Île imaginaire qui permet la tenue de cet événement-là de façon professionnelle, de façon virtuelle. Donc, je vous dis à l'année prochaine. J'ose espérer qu'on pourra retrouver nos habitudes de se rencontrer en présence, en personne, pour faciliter les échanges. Je pense que c'est un objectif réaliste qu'on peut se fixer ensemble. Donc, merci beaucoup de votre participation ce matin.